ああすげえ。 Bienvenue dans cette 20e émission spéciale Halo. Vous, vous, vous y attendiez pas, mais c'est fini, Nofrag c'est fini les FPS. Uniquement du Halo. Et pour m'accompagner ce soir pour parler de la série télé d'Halo Infinite de la saison 2, à ma gauche, en bas, Estia. Comment ça va, Estia Bonsoir, ça va très bien. Ouais, bah, écoute, euh, moi, je n'ai pas de casse sur la tête, euh, donc euh, je suis plutôt bien. Okay, parfait. À ta gauche, FCP, comment ça va ça, ça, va très bien. Je, je, par contre, on m'avait pas prévenu que, enfin, moi, j'étais pas au courant. Du coup, allo, se passait dans Stalker, mais euh, d'accord. C'est fini. C'est fini. Et à ta gauche, mon plus grand fan. Salut. Salut. Eh ben, écoute, je suis ravi d'avoir Master Chief avec nous euh, ce soir. Hein. c'est un, un vrai plaisir. Et pour terminer, Saire. Eh bien, le bonsoir, euh, Monsieur le Master Chief. Euh, J'espère que vous allez montrer euh, votre belle combinaison tout à l'heure aussi. Okay. Vrai une combi, ouais. ah bon. Après cette blague, vu que je peux ni mettre mon casque et qu'il crève de chaud. Euh, bonjour à tous pour ce 20e épisode de Noscope dédié à l'actualité du mois de février. On va commencer tout de suite, messieurs. Vous êtes prêts euh, oui, alors attends, on a peut-être un souci technique. Ah. On a un souci ah. technique. J'ai l'impression que ça, ça rame. Ouais, 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 Pourtant, ça ne ramait pas Et, pour le test. Alors, euh... et là, ça a l'air de... de mieux marcher d'un coup. Ouais. Il suffit de le dire et du coup, ça marche ouais, mieux. Bah, je pense ah. que c'est le casque du Master Chief. Euh... Ouais. <laughs> Tout à ah, fait. C'est pas l'image. <laughs> c'est l'intervention du ça. Master Chief qui a fait un problème. Bah, ouais, c'est une expérience console. Bon. Euh... Ça a l'air bon. <laughs> attends, voilà, on casque est bon? Normalement, ah. la... la, la, Alors, la... la le je... Casse. Ah, je crois que... Non, c'est bon. Ah, voilà, enfin, c'est bon. Ça va. Ok. Super. Là, tu peux le garder pour toute l'émission ouais. maintenant. <rire> <laughs> voilà. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai eu le casque, c'est un cadeau de Noël de FCP et Vaga. On a les amis qu'on mérite ça. Euh, on va commencer tout de suite avec l'actualité du mois de février en commençant par quelques news business. Saire, je me tourne vers toi puisque tu vas nous oui, expliquer pourquoi, pourquoi les, euh, les analystes financiers de Sony sont les meilleurs du monde puisqu'ils ont décidé de racheter euh, Bungie, Bungie, je ne sais pas comment on dit en fait. Je... Bungie. J'aurais dit Bungie de base aussi. Ouais. Et oui, Qui ont donc bah... racheté le studio qui est responsable de bah, un des meilleurs FPS de tous les temps, Destiny. Euh, oui, évidemment, le, le FPS préféré de FCP, je crois. Euh, donc, oui, Sony a acquis euh, Bungie pour la modique somme de 3,5 milliards d'euros. Donc, euh, vraiment, euh, petit joueur comparé à Microsoft. Hein. Mais euh, donc, voilà, ils complètent leur studio first party. Donc, Bungie reste quand même pas mal indépendant. Alors, pourquoi ils ont fait ça euh, La raison officielle, c'est que, euh, que Sony sait faire des expériences narratives, mais ne sait pas faire des jeux, euh, des games as a service, comme on dit hein, de nos jours. Euh, officiellement, je pense que c'est juste que Destiny a l'air de rapporter quand même pas mal de pognon, et que ça leur faisait un, un joli studio, effectivement, pour euh, potentiellement développer euh, d'autres euh, licences encore plus lucratives. Euh, et en plus Ra de leur triple que A. Quel montant Rappelle-nous le montant. 3,6 milliards, je crois. 3,6 je... ouais, milliards. Okay. Ouais. D'accord. Et euh, une, une, comment Une acquisition qui est arrivée quelques jours après euh, le gros rachat de Microsoft de... Qui, a, qui, qui, qui a racheté a Activision, Activision Blizzard. Exactement. Voilà, messieurs, ça vous en touche une de savoir que Destiny 2 est dans les mains de Sony. Euh, bah pas vraiment, dans le sens où de toute façon c'était euh, le genre de jeu dont on se fout pas mal, euh, même si ça a l'air d'avoir quand même un petit succès euh, étonnamment. Euh, mais bon, euh, que voulez-vous, les aléas de l'industrie du jeu vidéo, euh, c'est quand même assez particulier. Ok. Et eh bah, ben, Ruta Baga reste avec moi parce qu'un autre rachat qui a eu lieu euh, ce mois-ci, c'est le rachat par Tencent, le géant chinois, qui s'est offert <coughs> l'éditeur One c Entertainment, alors qu'on ne connaît pas trop, mais euh, qui regroupe surtout pas mal de rétro FPS, donc on en parle souvent sur nos frags. Ouais, euh... on, on a parlé de Graven euh, il y a quelques mois, Visera Fest aussi. Euh, ouais, on en a parlé. Bah, J'ai joué à tous leurs jeux. Je n'ai pas forcément euh, fait de test pour tous leurs jeux, mais euh, c'est assez bizarre comme, comme move, parce que c'est vraiment un tout petit éditeur euh, des jeux, euh, finalement, euh, pff, anecdotiques. Euh, Ce n'est pas forcément mal, mais euh, c'est des jeux de niche. Euh, voilà. Donc euh, c'est très bizarre de voir euh, Tencent qui est vraiment un géant, à aller se payer le tout petit studio polonais qui fait des tout petits jeux à succès euh, modeste quoi euh, pour rester euh, pour rester euh, politiquement correct parce que bon, à mon avis euh, s'ils en vendent plus que 100, euh, c'est déjà pas mal tu vois. Euh, ouais c'est bizarre comme euh, bizarre comme, comme euh, choix, mais euh, en soi c'est tant mieux pour, pour euh, cette petite boîte polonaise qui euh, du coup euh, se retrouve financé par euh, par des milliardaires quoi donc euh... OK Et dans la foulée euh, FCP je sais pas si tu veux dire quelques mots mais quelques jours avant d'annoncer le, ra le rachat pardon de One C ils avaient aussi annoncé le rachat de Nightingale euh, qui est un jeu de je sais plus quoi tu peux nous dire quelques mots pas du tout. Euh, je sais que tu en avais parlé, okay. donc je relance la patate ouais. chaude à Estia. Euh, non, mais c'est ouais, un, 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 un jeu de survie. Avec, euh, des anciens ouais. de justement, Halo, tout ça, je crois, il me semble. Je vais laisser. Euh, ouais, c'est la ça, question, ouais. Hein. ouais c'est un jeu de survie euh, dans un univers. Enfin, euh, euh, avec plein d'univers parallèles, euh, mais dans l'ambiance euh, victorienne, enfin, euh, époque victorienne. Et euh, les. Enfin, c'est le level design, plutôt le design en général qui est, qui est plutôt chouette et qui donne envie mais après pour l'instant ça d'intro sur, sur le gameplay quoi. mais oui oui donc, du coup on a eu une news sur, sur des infos là-dessus et quelques jours après le rachat par, par Ted ok ce qui clôt le petit chapitre business de ce mois-ci le rachat de bungie et le rachat de one c et on reste dans le business parce que le studio a été racheté, on en parlait justement par Microsoft, Activision Blizzard. C'est que quelques jours après le rachat, Blizzard a annoncé qu'ils travaillait sur une nouvelle licence qui était un espèce de jeu de survie alors en multijoueur. Et surtout, quelques jours après avoir annoncé leur nouvelle licence, sans, sans dévoiler trop d'informations, on a su que malheureusement, c'était un FPS qui, ici, veut. Me donner son avis sur le fait que Blizzard travaille sur un nouveau FPS et en plus un jeu de survie euh, Bon, allez, vas-y, je me lance. Allez, vas-y, Ouais, bah, euh, pas le choix, je Bon, euh, <laughs> comment dire euh, le, La dernière expérience Blizzard en FPS, c'était Overwatch. Alors, c'est. Bon, ça a eu son petit succès, hein, je dis pas, mais c'est pas vraiment le FPS préféré de la rédaction. Euh, donc, déjà, ça, ça fait peur, parce que quand, quand... nous, on appelle ça un simulateur de cosplay, hein, je, je rappelle. Euh... Donc bon Déjà ça ça fait peur Et en plus le côté jeu de survie euh... Est-ce que c'est pas euh... Est-ce que c'est pas un peu tard Pour sortir un jeu de survie Est-ce qu'on n'a pas passé un peu la mode des jeux de survie euh... Euh, Je vous rappelle Que le dernier en date qu'on a testé C'était Icarus <laughs> ouais. euh, D'un maître de... De... du jeu de survie ouais. voilà. Par ouais, le gars de Daisy qui était par le, le créateur de Daisy et qui était, c'était un jeu catastrophique. Donc euh, euh, bon, ça n'a rien à voir avec Blizzard, mais euh, bon, est-ce que le Blizzard plus jeu de survie, ce serait pas un peu euh, un des cavaliers de l'apocalypse Ah pas. moi je le dis, ça sort le cul. <laughs> J'annonce tout de suite ça. la couleur, ça, ça sort le, ça sort le cul. Ça va en Voilà, mais bah, de toute façon ce screen, sera sûrement un projet loot, euh... Mais, euh, comme, euh, comme souvent quoi. Ouais, de toute façon, c'est ça, qui va le tester. Il adore couper du bois et construire ah ouais, des cabanes, ouais, là, donc ça va lui faire son plaisir. Ouais, 3 milliards 3 sur Rust, je suis prêt à aller couper des bois dans, du bois dans des forêts enchantées, il a pas de souci. Ok. Euh, on va rester dans les jeux pour personnes à mobilité réduite, puisque FCP va nous parler de Deadness. Ah ouais, merde. Un jeu VR qui permet d'incarner une personne handicapée en fauteuil roulant. Euh, oui, enfin, qui une est, personne euh, handicapée. Qui, à mobilité réduite. Pardon, oui, à mobilité réduite. Euh, oui, tout à fait. Euh, alors, je crois qu'on a reçu. Je vois Rutabaga qui est en PLS. Euh, comment j'aime sortir de attends, ça attends, euh, voilà. Non, non, mais écoute, <laughs> euh, qui. Hey, attends, mon gars, tu fais une news sur le site <laughs> Avec un jeu vert où t'es en fauteuil roulant, t'assumes. Non mais euh, qui n'a jamais rêvé, enfin rêvé peut-être pas, mais qui n'a jamais eu l'envie, la curiosité euh, de savoir ce que c'est de vivre euh, les difficultés d'une personne en, en, en fauteuil roulant euh, donc, euh, grâce à Deadness, euh, vous pourrez maintenant, euh, et si vous avez un casque, bien entendu, euh, voilà, savoir ce que ça fait de galérer dans des couloirs. Euh, J'essaie je de vous mettre le trailer euh, de galérer de, dans, des, dans des couloirs, euh, genre euh, jeux d'horreur euh, basiques, com comme on en a vu euh, 12 000, mais en fauteuil roulant. Alors, attendez, c'est un peu galère de vous en parler et de faire la en même temps, mais il faut absolument que vous, que vous voyez ça, quand même. Ah, tu vas le, nous montrer le niveau à la poste où il n'y a pas de rampe, hein, c'est ça <laughs> Alors, attendez, Ness. Ah, ça, c'est vraiment le ultime, quoi. Et euh, non, mais bon, après, personne n'a voulu le tester. Je trouve que, que c'est un peu dommage, parce que... T'arrives à mettre la vidéo de gameplay, bah... parce que allez, ouais, alors, j j fait de la peine, quand même. Enfin, l'éditeur ne nous a pas envoyé de clé. Euh... Ouais, ouais, ça, c'est assez regrettable, <laughs> mais... Euh... Attendez, là, c'est mon ordi qui est en PLS qui, qui veut pas. Euh, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Le pas. Ouais, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Non, non, mais si, si. Vous, euh, allez, bon, bah, vous alors, allez voir, vous pour, allez voir. Ok. Bon, non, pour non, ceux que voilà. ça intéresse de jouer à, en fauteuil roulant, c'est sorti le 22 février dernier sur, euh, sur euh, l'Oculus Store et le, 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 le Vive Store. Ça, ça a dû être terrible les réunions de préparation <laughs> du développement, quoi. Bon, alors les mecs, qu'est-ce qu'on fait comme jeu Alors, euh, <laughs> il est tout seul donc, déjà ceci explique peut-être cela. Euh, il est et tout est seul ouais c'est un jeu d'horreur ouais, comme on comme on peut le voir. Alors bon après en plus qui a pas l'air non plus euh, qui a pas l'air hyper original. Hein, euh, je pense que je pense que ça se voit. Voilà ouais, alors il y, y, y a des, des vidéos de ouais. gameplay qui traînent sur euh, sur YouTube enfin de gameplay un peu plus quoi et où c'est euh, <laughs> le gars il met en avant des trucs du genre il euh, faut pousser les deux roues bien en même temps pour aller tout droit ou celle de droite pour enfin bon. Euh... Ouais, ils auraient quand même pu mettre un fauteuil électrique, ce serait moins chiant. Ouais, mais je sais. sais Peut-être que ça se passe à une époque où il n'y en avait pas. Je sais, je pourrais pas te. Je sais plus ça. Peut-être que c'est justifié dans le scénario. On n'attaquons pas, on n'a pas testé. Euh, personne ne veut le tester. Euh... Bref, je pense bah, qu'on bah, a ouais, fait le tour. Que... Hein. Ouais, Et là, pour. Voilà. Donc après le nouveau espèce de blizzard, Deadness, le VR en fauteuil roulant. Pour clôturer ce chapitre, jeu pour handicapés, c'est Star Citizen qui a proposé une nouvelle version de sa nouvelle roadmap Estia. Oui, tout à fait. Euh, une nouvelle version qui euh, vraiment euh, prend euh, ses, euh, ses clients pour, euh, pour des cons, puisqu'il supprime euh, tout simplement euh, les dates euh, pour euh, les futures euh, releases, enfin en tout cas pour les prochains livrables. Euh, bah, histoire que personne ne puisse gueuler euh, s'il y a un décalage ou, ou quoi. Donc comme ça, il euh, n'y a pas de problème en fait. Hein. Ils disent qu'ils travaillent sur un truc, mais sans donner de sans donner de deadline comme ça, euh, personne ne peut se plaindre si au bout de dix ans c'est toujours pas sorti. Et, euh, et donc euh, voilà, ils, ils ont fait tout un tout un, un texte pour expliquer euh, que euh, que bah, assez étonnamment, les gens s'attendaient à avoir quelque chose quand c'était marqué euh, que euh, bah, par exemple, il délivrait, euh, enfin, il voulait développer, euh, euh, je sais pas moi, la, la chasse d'eau euh, dans les chiottes de, de, de je sais pas quel, de je sais pas quel vaisseau. Et s'il bah, dis, si disait que ils allaient sortir, je sais pas moi, en février 2022, et que finalement en février 2022, c'est pas sorti. Et ben, bah, il trouvait ça étonnant que les gens gueulent que bah, ce ne soit pas sorti. Donc forcément, euh, en supprimant les dates, il n'y aura plus ce genre de problème. Et voilà. Donc c'était juste okay. ça, mais c'était assez, assez rigolo. D'accord. Euh, merci. Euh, donc tenez-nous au courant, euh, les, les joueurs de Star Citizen. Euh, Ruta, je me tourne vers toi puisque tu nous as annoncé sur nos frags qu'un cinquième épisode de la DreadX Collection sortirait le mois prochain. Pour ceux qui ne suivent pas, c'est des petites collections de jeux d'horreur indépendants à chaque fois. Est-ce qu'on sait euh, qui participe à cette édition euh, ouais, alors euh, on sait qui participe, mais il n'y a pas vraiment de nom connu cette fois-ci. Parce euh, que je rappelle que jusqu'à présent, il y avait euh, toujours euh, David Simensky, euh, qui est le, le papa de développeur de Dusk, entre autres, et euh, qui avait fait des trucs assez sympas. Donc là, il y a que des noms de développeurs qu'on connaît pas trop. Euh, à part un, il me semble que c'est celui qui avait fait le meilleur jeu de la précédente euh, collection qui revient ici euh, donc euh, avec une nouvelle proposition euh, sachant que le thème cette fois-ci c'est le divertissement horrifique donc euh, euh, ça peut tout et ça peut vouloir tout, tout dire et rien dire mais euh, mais ouais, voilà donc, un peu ça, euh, mais ça dépend des gens bah, j'imagine <laughs> que ça va être beaucoup de choses sur peut-être la télévision ou, ou je sais pas ou tu sais genre le cirque de l'horreur genre de trucs tu vois ah ouais mais euh, mais voilà donc euh, bah moi j'aime toujours ce genre de petites de petites expériences euh, un peu un peu fauchées moi j'aime bien mais euh, je sais qu'il y a que moi qui joue à ça puisque on avait vu les stats il euh, y avait 100 joueurs dans le monde <laughs> mais euh, bon il faut aussi en parler, il faut aussi en parler. Euh, euh, je, je sais plus sur le dossier on avait fait le calcul de des ventes euh, ouais ça se compte en centaines de milliers donc je sais pas je sais pas combien ils sont mais ça rapporte euh, j'imagine que ça leur rapporte euh, un peu d'argent bah, J'imagine quand, quand même, oui, parce que euh, ouais, ouais, ouais. sinon ils en oui, seraient pas cinquième. Euh, cinquième opus, Puis c'est jamais des jeux très longs, donc ça doit pas le prendre non plus. Euh, ils passent pas deux ans à développer pour sortir la collection. Non, non, justement, bah, c'est le concept que, que je trouve d'ailleurs assez cool, quoi. C'est, euh, c'est ça, quoi. C'est euh, vous avez un peu de temps pour développer un jeu, mais vous pouvez vous exprimer et faire un peu des trucs originaux. C'est ça qui est, c'est ça qui est sympa, je trouve. Ok, sortie sur Steam le mois prochain. On a une date exacte ou pas? Euh, non, il me semble qu'il y a juste okay. euh, marqué avril. juste avril. Que, euh, sur, voilà. sur mon bloc notes, c'est marqué avril en tout cas. D'accord. Euh, on va ouvrir un chapitre de fermeture de serveur ou slash fin de développement. Deux jeux ce mois-ci ont annoncé mettre fin à leur vie. ça je vais me tourner vers toi pour le premier, qui est une, es une parodie de Battle Royale qui était sortie à l'époque de PUBG et compagnie. Exact. Qui est. Totally Accurate Battlegrounds. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de cette chose. Effectivement, il est sorti en même temps que la hype euh, PUBG, euh, c'est quoi, de, 2017, 2010, début 2018. Et il était sorti, euh, si je me souviens bien, euh, gratuitement dans la euh, bah, surprise générale. Il était resté ouais. gratuit un petit moment et il avait eu son, son petit succès parce qu'il lui proposait une alternative complètement euh, barrée et loufoque euh, à PUBG, je me souviens que c'était pas du tout un parachute, on d'un, on se jetait d'un alors je sais plus, si c'était un camion. Un, un camion. un camion, voilà, un camion. La chaîne on, de camion, voilà. On tombait en merde, en chute libre sans parachute ni rien. C'était complètement con, les armes avaient du recul euh, exacerbé. Euh, et c'était plutôt euh, marrant, c'était une bonne, euh, bonne alternative un peu marrante ouais. à, à PUBG. Et donc là, il, malheureusement au euh, bout Enfin malheureusement, ils l'ont quand même euh, tenu euh, 4-5 ans le support et, et ils ont annoncé là récemment euh, qu'ils allaient arrêter pour pouvoir euh, se ça, mettre à euh, d'autres projets. Et Je reste avec euh, moi, il... vas-y Estia. Est ils fait... ils non, non, non. non non il y aura plus de plus de, de mises à jour, ils travailleront plus sur quoi que ce soit. Ça. Et que tant qu'ils ont dit, ils ont dit que tant qu'il y aurait des joueurs, ils fermeront pas les serveurs, mais le jour où il n'y a plus de plus de joueurs, il y a plus de serveurs. Et ça, a autre jeu, par contre, lui, qui ferme ses serveurs, c'est Survarium. Effectivement, lui, par contre, c'est arrêt du développement et fermeture des serveurs euh, Survarium. Donc, ce que le jeu que tout le monde appelait Survarium, euh, le jeu donc développé par des anciens euh, de GSC Game World ou de forêt je sais plus. Bon, bah, des anciens devs de Stalker, en tout je crois cas. C'est ouais, ouais. C'est GSC, je crois. C'est GSC, ouais, GSC ouais. Ouais. Euh, Donc euh, voilà, il était sorti il y a quelques temps. Il avait en free to play, mais voilà. Bon, il avait vivoté jusqu'à présent. Euh, les premières versions étaient euh, voilà. Étaient... Il, a eu, il a eu quelques bons moments, et malheureusement, ça n'a jamais trop pris euh, à part en, en, dans les pays de l'Est, je crois. Euh, et euh, il vivotait jusqu'à présent. Et là, euh, en moyenne, on a 400-500 joueurs encore sur le jeu, mais bon, rien de rien de viable pour le développeur. Et En plus, ils ont, euh, je sais pas si vous vous souvenez de Fear the Wolf euh, qui avait été commandé ouais. par <laughs> Donc, pareil, encore à l'époque des, 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 des sorties des, des Battlegrounds, ils avaient essayé de faire la version euh, Battleground, donc sur Variable Fear the Wolf, ce qui avait complètement euh, bidé. Donc, voilà, le jeu va s'arrêter. Donc, vous avez en gros jusqu'à fin avril, si je dis pas de bêtises. Non, jusqu'à mi-mai, pardon, jusqu'à fin mai. Pour, euh, ok. Pour jouer au jeu, euh, si ça vous intéresse. Eh ben, adieu euh, sur Varium. Et autre jeu des pays de l'Est qui devrait sortir à la fin de l'année, euh, finalement, c'est Atomic Heart. On en parle depuis au euh, ou moins oui, 3-4 oui. ans, longtemps, et qui a dévoilé une bande-annonce avec, euh, avec une vague date de sortie, euh, lol, euh, en cachant tout sauf les euh, trois dernières lettres. Donc en gros, c'est septembre, octobre, novembre ou décembre, on ne sait pas, mais fin 2022, Estia. Oui. Bah écoute, tu m'as tout piqué là. Pardon, ah bah ok. <laughs> non, normalement, euh... si, si. Peut-être on... le temps que tu montres des images FCP, euh, si... si ça fonctionne. Non, on euh... montre pas d'image parce que ça casse toute notre. Non, on va, on euh... va voir si ça qui se pose un, un problème okay. ou pas. Mais... Si ça marche, ouais, ouais, on va voir. Mais j'ai l'impression que effectivement, ça lag après que la vidéo soit terminée. En tout cas, euh, bah, en fait, il y a des parties d'images enfin, des trucs qu'on avait déjà vus dans différents trailers qu'on avait vus euh, depuis euh, les années passées. Euh, on peut voir par contre euh, l'utilisation d'un gant euh, qui remplace les plasmides de Bioshock, mais euh, qui a l'air d'être exactement pareil en fait. Hein. On a des pouvoirs, euh, on a le pouvoir à la biochoc. Euh, sauf que bah franchement, euh, le enfin, c'est beau quoi, ça a l'air vraiment chouette. Euh, derrière j'espère que, que le jeu ça sera aussi bien qu'il a... qu en a l'air. Euh, voilà. Et donc pour la date de sortie, okay. effectivement, ce sera à partir de septembre euh, ou jusqu'à décembre, on sait pas. Donc, euh, à la fin, okay. fin 2022. Ok, messieurs, je sauf, vous pose une question si parce, un parce un qu'on en, on en parle depuis quand même 3-4 ans. Il y a eu des news euh, où, enfin, qui nous expliquent, enfin, où on, on, on a compris que le développement était un peu chaotique, que c'était le bordel. Vous y croyez ou pas Pas du tout. Non, pas du tout, ça a l'air. Non, non. Euh, je... ça a l'air beau. Effectivement, mais euh, je sais pas, ça a l'air vraiment chaotique comme tu, comme tu viens de dire. Le, le, le développement va vraiment a peut être compliqué. On a vraiment attendu pas mal de temps d'avoir du gameplay et encore un super entrecoupé. Moi, ouais. euh, ouais, ça, sent... ça sent moyen. Ok, ah, moi j'ai envie d'y croire. Ouais, mais toi même. tu crois à tout, euh, tu croyais à BF 2042, <laughs> tu croyais à Serious Sam 3. Euh... <laughs> eh oui, mais, euh, mais 4, bon... bon non, non, 4... mais il est... Euh, il, est vous savez, il est jeune et, euh, et innocent. Ne le... Non, mais c'est pas ça, c'est que je sens que ça va être euh, un jeu euh, assez cool dans le concept et dans ce qu'il a envie de faire. Ouais. Euh, et fini à la piste. Euh, et... Enfin, c'est euh, l'eurojunk, en fait. Le terme eurojunk. Je suis sûr que ça va s'accorder à ça parfaitement, quoi. C'est ouais. euh, plein de bonnes idées, euh, plein de bons designs, euh, ce que tu veux, mais une réalisation euh, technique euh, à la ramasse, euh, des bugs dans tous les sens. Euh, je suis sûr que ça va être comme ça. Il euh, faut savoir que euh, quand on parle de développement chaotique, en fait, à la base, ce qui était reproché au jeu, c'est qu'ils balançaient des images en prétendant que c'était du gameplay. Alors qu'en fait, c'était des trucs pipotés. C'était de des images euh, précalculées. Et, euh, et euh, pour faire vendre le jeu, puisque le, le jeu était déjà en, en ouais, prix-order euh, euh, <laughs> depuis, euh, depuis le début, quoi, depuis que ça a été présenté. Donc c'était ça en fait. Le truc, ça, ça, ça avait vraiment l'air d'être un faux jeu euh, qui était là pour ramasser vite fait de la thune euh, avec euh, des fausses promesses. Là, le jeu s'approche euh, de quelque chose de concret. Bah, allez, j'ai envie d'y croire, croire. Ok. Oui, alors on s'excuse, on sait que ça lag parce que, juste un point technique, ce soir on teste une nouvelle façon de réaliser qui devrait nous simplifier la vie de, du côté de ceux qui s'occupent des transitions et compagnie. Mais apparemment, nos, les webcams lag quand ça revient d'une vidéo. Mais les, les voix lag pas. Donc vous nous écoutez, vous ne regardez pas. Fermez les secondes, yeux, ça va revenir. <laughs> voilà. Ah, ça vous ça, inquiétez pas, c'est mon... pas très grave. Il euh, y a rien d'intéressant qui se passe quand il n'y a pas les vidéos et ça revient normalement. Donc on va éviter de mettre trop de vidéos ce soir et on réglera ou, ou alors pour la prochaine euh, émission. Euh, nous nous pas dessines tu dessines les vidéos, enfin tu, sais, ah tu ouais, fais des espèces de... Je, je <laughs> oh, t'as pas une ardoise Ouais. Eh bah ben, écoute, FCP, tu vas nous mimer la prochaine news puisque c'est ça <laughs> qui va nous en parler. Je sais que Saer adore Netflix, il est abonné à oui. Netflix, il regarde, ah ouais, il adore, peux... il regarde The Witcher, il regarde euh, les trucs de télé-réalité. Euh, ah, euh, de euh, dramas coréens. à chaque fois il y me voir il fait oh t'as regardé Emilie euh, in Amy Paris, Paris. c'est super, tu devrais ouais. regarder. Et il est tout content parce que la dernière fois, il m'a dit, putain, ils vont faire un film Bioshock sur ah ouais. Netflix. Et ben voilà, t'as tout à Non mais moi, les adaptations de merde de jeux vidéo en film, j'adore ça. Je vous conseille d'ailleurs le Doom Annihilation qui est sorti il n'y a pas très longtemps directement en DVD. Pure d'aube. Euh, ouais. Et donc voilà. Euh... Désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé pour mais Dimérez-vous. Bon, <laughs> c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Et euh, donc voilà, Netflix a annoncé un film Bioshock. On n'a rien du tout, on n'a pas de réalisateur, pas d'acteur, pas de rien du tout. Euh, on sait juste qu'il y a un partenariat entre donc euh, bah, Netflix, Touquet et euh, Tech2 pour essayer. Pas mal, euh, FCP, vraiment pas mal. <laughs> C'est tout ce que j'avais qui pouvait faire penser à Bioshock. Je suis désolé. Pour ceux qui n'ont pas l'image, bah, je pense qu'avec le son de ma voix, ils comprendront. Bref. <laughs> ok. Et on a une date, on a une, une date de on sortie, a, on une, même une année euh... de sortie pour le film Bioshock. Rien du tout. On a vraiment juste un tweet avec, euh, voilà, Netflix <laughs> va faire son va faire sa, son, son, son film Bioshock. Donc ah, ça, ça. un ça... super cosplay. <laughs> euh, Est-ce que tu as de quoi faire la petite sœur maintenant <laughs> Non. Non t'as rien. Non, tu pu dire Big Daddy. <laughs> Euh, ok. Entre ça, Halo et Fallout, on va être, on va être gâté. On va être gâté. Ouais, c'est vrai, c'est euh, Je sais pas qui va m'en parler, Estia ou Ser, mais donc sans transition, parce que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, euh, Rainbow Six siège a dévoilé sa feuille de route pour cette nouvelle année, en même temps que sa nouvelle saison Demon Veil vale avec euh, une nouvelle carte, un nouvel opérateur, blabla. Bla, bref, on sait tout sur cette nouvelle année. Qui, euh, pour commencer, à m'en parler, Estia? Je euh, bah, est, train... euh... <laughs> est en train de lire la news. Vous <laughs> bon. le dans mes lunettes. <laughs> non, mais je aura... peux vous en parler. Non, non, C'est mon nom, donc je fais le salaud. Non, en... je... bon, pour ceux que ça intéresse, il y a la nouvelle saison là, qui a débuté euh, sur les serveurs de test il y a quelques semaines avec un nouvel opérateur en défense et une nouvelle carte. Et Ubisoft a aussi dévoilé euh, le contenu de cette nouvelle année. Donc il y aura 4 saisons. 3, euh, si on ne compte pas celle qui est sortie. Il y aura trois nouvelles cartes. C'est la première année depuis euh, au moins 3 ans qu'il n'y a pas eu de nouvelles cartes sur Rainbow Six, puisqu'il se consacré à des reworks des anciennes cartes. Il y aura trois nouvelles cartes, quatre euh, opérateurs, et en gros, voilà, plus évidemment quelques équilibrages, euh, refonte de lui, comme d'habitude. Vous pouvez à tout retrouver sur nos frags si ça vous intéresse. Et évidemment, il y a le Battle Pass, Season Pass euh, associé, comme chaque année. Euh, voilà, euh, Ruth tu vas nous parler de Avowood. Oh ouais. Voilà, euh, qui est le FPS RPG développé par Obsidian et qui se déroulerait apparemment dans l'univers de Pillars of Eternity, auquel je n'ai jamais joué. Eh bien, ben moi j'y ai joué. Euh, donc en fait, on sait franchement pas grand chose pour l'instant sur le jeu. On a eu que un trailer de présentation en, en, en précalculé. Euh, mais bon, on sait juste que c'est Obsidian qui s'en occupe, que ça se passe, dans... <laughs> tu as tout dit, donc je rappelle juste ce que tu viens de dire, mais voilà, ça se passe dans l'univers de Pillars, et ça sort début 2023. Euh... Ok, bah attends, je vais te poser une autre question, où j'ai pas dit, c'est après, euh... <laughs> après l'expérience euh... Outer Worlds, euh, est-ce que tu as envie de voir un autre FPS RPG d'Obsidian ben voilà, c'est ça le truc, c'est que euh, Obsidian a fait, euh, fait d'excellents jeux. Euh, je pense que il euh, bah, y a New Vegas, tout le monde a joué à, à Fallout New Vegas, qui était quand même pas mal. Euh, Pillars of Eternity, c'était assez cool, même si c'était très classique. C'était un RPG classique Façon Baldur's Gate. Mais euh, ça fonctionnait bien. L'univers était classique mais euh, cool quoi. Et après, voilà. Et après, c'est la débandade, puisqu'on avait eu le droit de la part d'Obsidian à Outer Worlds qui est un sous Fallout euh, qui avait de bonnes idées mais euh, en fait, au final très peu, très peu ambitieux et euh, très peu intéressant et euh, j'avais j'avais appelé ça le FPS RPG à papa parce que c'est vraiment pour euh, c'est vraiment pour euh, pour euh, le papa qui qui joue euh, dans son dans son canapé euh, en mode couch potatoes quoi pas besoin de trop réfléchir euh. ah ouais, voilà. j'avais fait et... le, le premier DLC là putain qu'elle enfer quoi c'est ça. Et le deuxième truc aussi auquel on a joué, qui était euh, de chez Obsidian, qui était un peu une catastrophe, ah oui, c'était... Euh, euh, merde, comment s'appelle ce truc-là avec les... Grundied. Euh, les... Ah, Grounded, voilà. C'est marrant, avec, là. Euh, à tous, ça, ça nous a marqué. Hein. Euh, donc, bon, c'est vrai que de base, sur le papier, ça peut être intéressant, mais ces derniers temps, Obsidian est un peu tombé en, en désuétude, donc... Euh, donc, euh, à voir. Après, maintenant, ils ont été rachetés par euh, Microsoft. Microsoft. Peut-être qu'ils ont les moyens euh, de leurs ambitions euh, d'aller faire quelque chose de fantastique et d'exceptionnel. De, de, euh, moi, c'est ce que je leur souhaite. Et, et restons là-dessus. Euh... Restons là-dessus. Alors, je, je saute quelques news sur le, sur le truc, mais ça me permet de faire une transition euh, logique. C'est que, comme tu le disais, Obsidian avait été racheté par Microsoft il y a quelques années. Et. Il y a quelques semaines, Microsoft a racheté Bethesda et depuis, des rumeurs sont, existent dans les couloirs d'Obsidian et de Bethesda où on parle d'un Fallout New Vegas 2. Du coup, ça, c'est vraiment, on est vraiment dans, le, dans les rumeurs. C'est euh, un mec qui s'appelle Jeff Grub ou Grub, je sais pas comment on dit. Euh, qui C'est un journaliste qui, est souvent, euh, qui répond souvent des rumeurs. Euh, Est-ce que elles sont tout le temps justifiées Je ne sais pas, mais souvent, en tout cas, c'est le cas. Et le mec dit que euh, il a entendu des bruits de couloir, que euh, le projet serait dans les tuyaux, que en tout cas, depuis le rachat euh, par Microsoft, euh, les, les développeurs sont, sont très intéressés pour partir sur un New Vegas 2. Donc, euh, donc pourquoi pas Après, je pense que si, si c'en est là, c'est qu'on est vraiment en pré, pré, pré-prod. Euh, c'est vraiment euh, là, euh, ouais. il... okay. on est vraiment au tout début du développement. Oui, et, oui, parce euh, en, il y a rien à se dans l'info de Jeff euh, Grub, euh, euh, en gros, ouais. on ne sait pas si c'est euh, le concierge de la machine à café qui a dit au dev euh, eh, ce serait pas mal un hein, New Vegas 2 maintenant qu'ils ont racheté Bethesda. Ouais. Et que Jeff Grubb, qui était caché dans le placard, a entendu ce bruit de couloir et l'a tout de suite écrit sur Venturbits, qui est aussi la maison mère de notre ouais, cher Dean Takashi. Takashi. Ça se trouve, c'est même lui qui l'a dit, cœur. Oui. <laughs> en espérant qu'il passe le tuto cette fois, quoi. Mais... Ok. Euh, rien à voir sans transition. Euh, on n'a on pas beaucoup d'informations sur ce jeu, mais parfois on a quelques vidéos où les développeurs nous promettent de faire du bon travail. C'est IGI Origins, qui est en développement depuis euh, deux ans, à peu près. Et euh, les développeurs espèrent qu'ils feront du bon travail. Ça, c'est un. Oui. C'est un bon état d'esprit quand tu fais un jeu. Exactement. C'est -ce pas Estier -ce, <laughs> Oui, c'est euh, est un bon état d'esprit, mais c'est un peu euh, étrange quand même la manière dont, dont ils amènent le truc. En gros, ils ont sorti une petite vidéo euh, régulièrement, alors je ne sais pas si c'est tous les mois ou quoi, mais en tout cas, euh, ils sortent des vidéos mission briefing et euh, ils parlent un petit peu de, 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 de leur projet. Et, euh, et là, euh, en fait, ils sont sur euh, le gameplay émergent un petit peu. Euh, bon, on est quand même sur un, un FPS d'infiltration globalement hein, et euh, à partir du moment où tu vas te battre avec, contre plusieurs bonhommes euh, à mon avis tu es un peu mort hein, donc c'est vraiment euh, vraiment orienté à infiltration et, euh, et mais ils assurent que, tu, que euh, tu pourras avoir ton style de jeu et voilà et l'exemple qu'ils ont donné c'est euh, vraiment euh, le truc euh, par extraordinaire pour dessous c'est euh, on peut monter à une tour pour neutraliser un garde ou alors, faire attention qu'ils ne nous voient pas. Waouh, ça ça pète, incroyable. Ça, c'est de l'enregistration. Je pense qu'ils n'ont pas dû jouer à beaucoup de jeux depuis Project RedJay, en fait. Ouais, je standard, sais pas, c'est même pas les développeurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 non. C'est des fans. Donc voilà, en gros, ils disent que leur but ultime, c'est de créer un jeu dans lequel les joueurs pourraient utiliser les méthodes qu'ils n'avaient même pas prévues. Ouais, c'est bien c'est bien, c'est vrai que ce serait génial euh, mais eux aussi ils sont en train de dire ce serait génial donc ça veut pas dire qu'ils vont le faire ils espèrent que ce qu'ils vont faire euh, par un miracle euh, ça va amener à ça alors euh, bon peut-être que je suis, on est mauvaise langue, hein, bon, on a un peu l'habitude mais euh, ça me rassure pas trop en fait bah, il faut quand même dire que le jeu est développé par Antimatter Games, ils sont quand même euh, ouais. ils ont un oui, bon mais, CV quoi oui je suis d'accord mais ce qu'ils font ça n'a rien à voir Antimatter Games, c'est ce qu'on fait euh, les. J'ai perdu le nom, évidemment. Razen euh, Storm, voilà de Red Orchestra et tout. Oui, ouais, donc c'est des jeux qui n'ont vraiment strictement rien à voir avec l'infiltration. 83, 83 ouais. ouais. Jeux sur la guerre froide. Alors, euh... du coup, c'est en parallèle, donc c'est sans doute pas la même équipe qui, dé... qui développe ça. Mais... Bon, bah, je te trouve un peu pessimiste parce que bon, on vaut mieux un développeur qui dit on espère qu'on va faire du bon boulot que chez Ubisoft où ils sont là, bah, ça va être la merde, c'est pas grave, euh, puis on va sortir, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais la manière dont c'est présenté est quand même assez étonnant. Quoi. Ok. Et en parlant de jeux où les développeurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient, Battlefield 2042 qui ont bien <laughs> du mal à lancer leur saison 1 et leur mise à jour, euh, puisqu'on a appris récemment. Alors il y a plusieurs infos. Alors ça va être FCP SIA qui vont se partager. Je résume, mais en gros, euh, donc, la saison 1 qui devait démarrer au début de l'année est reportée à cet été. SAR, tu confirmes je confirme. Ouais, Est-ce ouais, que, euh, que tu peux ajouter quelque chose à cette sources. information euh, pff, Non mais pourquoi arrêter hein, enfin débranchez-le et euh, oubliez-le hein, dans un coin euh, mettez-lui une balle dans la tête et laissez-le dans un trou et, et voilà quoi. Euh, non non mais plus, plus sérieusement, ils ont voilà, ils ont ils devaient nous donner des euh, nouvelles sur la saison 1 la début d'année et en fait au lieu de nous donner des nouvelles sur la saison 1, ce qu'ils nous ont dit bah mais finalement, les gars, on est désolé, notre jeu est vraiment tout pourri. Alors, il va falloir attendre euh, début d'été pour avoir la saison 1. Donc, voilà. Ça a l'air, je te trouve, un, peu, un, un petit peu euh, médisant parce que quand tu as un petit studio comme DICE, se dire faire un tableau des scores, ça prend du temps. <laughs> est euh, D'ailleurs, Estia, ils ont annoncé que le tableau des scores était aussi un peu repoussé parce qu'ils ne travaillaient pas le week-end. Moi bon, ça, on peut pas leur en vouloir, <laughs> heureusement. Oui, en fait, ça, ouais. Ouais, en fait euh, ça devait sortir cette semaine. Et finalement, comme a euh, priori, ça arrivait vers la fin de la semaine euh, pour, 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 la, pour la livraison, ils se sont dit qu'ils allaient plutôt attendre, euh, je suppose, lundi prochain, euh, donc demain, euh, pour éviter que les développeurs euh, aient à travailler tout le week-end euh, au cas où il y ait des problèmes. Donc, ils sont bien, bien confiants hein, sur leur travail. Euh, donc, ils s'attendent quand même à ce que leur patch euh, soit encore un peu de la merde, a priori. Ok, et dans la euh, foulée, je... FCT. Vas-y, je, 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 pardon, pardon, pardon. Je viens de regarder sur SteamDB. Le nombre de, de euh... joueurs. Ouais, alors là, <laughs> euh, ils, ils, aujourd'hui, ils ont dépassé les 2000 joueurs, mais ce n'était pas le cas euh, depuis quelques jours où, ça, où il n'y avait même pas 2000 joueurs en simultané sur le jeu. Sur Steam. Euh, sur, Steam. sur Steam, sur Steam. Mais bon, sachant qu'ils ont perdu. ils ont perdu. Euh... Attends, ils ont perdu... Bah, il quasiment. Là, c'est était à, euh... Là, était à, le 100... leur... était à 150 000, 000, 000 à la sortie. Non il, y avait, il, y avait, il y avait plus de 100 000 joueurs euh, simultanés à la sortie, et maintenant, il y en a plus que 2000. Euh... Bon. Je pense que même sur Origin, oui, non, mais... ça a dû faire la même, euh, la même chute. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ils ne doivent pas être très nombreux, euh, même en comptant Origin en plus. Et dans la foulée, FCP, ils ont publié un très 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 long dev blog sur comment améliorer les cartes du jeu qui se résume par On sait pas. Bah, euh, qui se résume par des... des, des C'est quand même assez marrant, quoi. Des pistes de réflexion. Donc au début, tu lis l'article, tu fais genre « Oui, bon, ok. »« Donc, ils ont identifié cinq axes. Euh, »« Que sont euh, la visibilité, euh, euh, se cacher, les couvertures, etc. Enfin, » bon, ce qui a l'air d'être normalement ce par quoi tu commences par faire ta map ou, ou au moins à la, au milieu du développement de ta map, quoi. Et donc ils découvrent qu'ils ont des problèmes que tout, tout le monde a cité dans, dans, dans ces tests. Et donc, bon, ok, au début tu fais genre, bon, a priori déjà ils ont le même, euh, ont le même rapport que nous au jeu, quoi. Bon, c'est aussi beaucoup de retours de, de joueurs. Et ensuite c'est, bah du coup, euh, si vous avez des idées... N'hésitez pas, on va faire une partie spéciale sur le forum de DICE où vous pouvez balancer vos idées. Euh, voilà, euh, nous on, peut on s'est peut-être dit qu'on rajouterait des cailloux, des couvertures pour se cacher. Si vous avez d'autres idées, c'est quand même euh, à croire que ça a été développé ouais. par une, une, une sous-équipe ou je sais pas, c'est un peu affligeant quand même. Bah, c'est un peu ce qu'on se disait euh, lors de l'émission, on en parlait, c'est que clairement c'était une. une... De mecs qui c'était leur premier projet, ouais, ouais. on dirait euh... un peu le, le studio d'Avalanche qui avait fait Génération Zéro euh... et ouais, le truc avec les dinosaures, quoi. La, la <laughs> ouais. Genre, ouais, dans le euh... chat, on nous demande c'est eux qui ont fait les précédents, oui, Dice, euh... bah oui, bah, enfin après, euh... non, bah, c est c est films, films. oui, oui Battles, voilà, on sait pas qui a vraiment bossé dessus en fait. En vrai, à la fin de Battlefield 5, il y a quand même pas mal de têtes pensantes dessus qui se sont barrées aussi. apparemment, c'était eux qui faisaient le taf, quoi. Voilà, c'est bon, le... Bah, <laughs> le, le, point, le point naufrage euh, de cette émission Battlefield 2042 qui continue de creuser sa tombe. Euh, et un autre qui va peut-être sortir de sa tombe cette année, qui revient entre les morts, Estia, c'est euh, des rumeurs euh, insistantes sur le fait que Dead Island 2, qui est en développement depuis <laughs> plus combien de temps, euh, sortirait, depuis 2014, sortirait cette année ou en tout cas début 2023 selon... Euh d'autres informations, mais qu'il était, euh, qu était toujours en développement. Oui. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est euh, Tom Anderson qui, euh, qui a souvent des infos sur, sur Battlefield, euh, qui, euh, qui a sorti une vidéo, il annonce euh, euh, qu'il y, y aura bientôt une bande-annonce euh, avec une date de sortie pour le quatrième trimestre 2022, c'est-à-dire fin 2022, début 2023. Et euh, et voilà. Donc, euh, pour rappel, des Island 2, c'était initialement développé par Jaeger. Euh, ensuite, c'est passé aux mains de Sumo Digital et euh, ensuite euh, c'est passé chez euh, Dumbbuster Studio. Euh, voilà. Et puis, bah rien de tout particulier, hein, euh, parce que bah, Dayland c'était sympa euh, sans plus. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai pas trop trop apprécié. C'était un petit peu trop corps à corps, pas assez de, à feu pour On moi. Fait tellement longtemps, je me souviens même plus. Ouais, euh, c'était très RPG, et, quoi. Euh, Ouais, après c'est. Avec, avec plein que... d'armes, avec plein de caractéristiques, ouais. etc. etc. Quoi. Un monde semi-ouvert, euh, plutôt sympa en coop quand même. Ça, ça, c'était vraiment une. Alterna... Enfin, c'était. Euh, c'était après les les, les, les Forded et tout ça, mais c'était de la coop, euh, mais dans un, une, une autre ambiance, quoi. Vraiment autre ambiance avec euh, des, des décors paradisiaques et tout. Euh, sympa. Ok, bon. L'information à retenir, c'est qu'il est toujours en vie. Alors qu'il sort ou pas oui. cette année, on, on s'en fout un peu, mais euh, le développement est toujours, euh, toujours, dans les tuyaux. Et je crois que ça a été confirmé par le par le gars de Coq Media maintenant euh, pendant le call avec les, les investisseurs, euh, qui a dit que sans citer le jeu, qui a dit que oui, que en gros euh, c'était toujours euh, toujours dans les tuyaux. Et pour terminer cette section des annonces, une triste nouvelle euh, due à l'actualité, la guerre en Ukraine, c'est les développeurs de Stalker, de Stalker 2 qui ont publié une petite note de blog et une vidéo pour dire que évidemment, euh, avec ce qu'il se passe dans leur pays, le développement de Stalker était en pause retard. Ouais bah voilà, c'est tout. Hein. Euh, sans surprise, enfin, sans surprise, ils expliquent qu'ils préfèrent mettre leurs proches à l'abri. Euh, des bombes plutôt que de travailler sur un jeu vidéo donc moi je dis que c'est scandaleux parce qu'on n'a toujours pas euh, de vidéo de gameplay vrai. Euh, ils auraient pu au moins sortir les doigts du cul euh, avant la juste guerre avant quoi. les premières bombes quoi. voilà bah oui euh, non mais voilà sinon évidemment que le jeu est et que, que le développement est arrêté c'est ça me paraît évident euh, la vidéo est assez poignante dans le sens où en fait elle commence sur des images qu'ils ont euh, Tourner eux-mêmes euh, dans les studios en faisant de la motion capture, parce qu'ils avaient prévu de publier une vidéo sur la motion capture euh, des... pour les cinématiques. Et euh, donc ça commence là-dessus, et ça part sur les images de, bah, de la guerre quoi qui est chez eux. Et euh, du coup, c'est assez poignant parce que, bah, je sais pas, tu vois, il y a une. Évidemment, il y a un contraste fort entre les scènes de guerre et le fait de, de faire un truc aussi, euh, aussi anodin que, que de développer un jeu vidéo, tu vois, enfin voilà donc c'est assez poignant mais euh, voilà donc on leur souhaite bien du courage et, euh, et puis, euh, puis voilà de... est-ce qu'ils inventeraient pas pour encore repousser Stalker 2 ah, je vous le dis vous êtes horrible ben justement est-ce que ce serait pas euh, est-ce que ce serait pas une façon pour toi de gagner ton pari euh, euh... Qui était ah, tu avais parié. Euh... Ouais. J'avais parié que Stalker ne sortirait pas cette année. <laughs> Exactement. Donc, ouais. euh, est-ce que ce serait pas une manipulation de la part de Nounours ouais. euh, qui a manipulé le gouvernement Qu'est-ce que t'as fait encore, pouvoir... Nounours Non, mais voilà. Attendez, pardon. Euh... Lettre abjecte. Non, non, pas de lait dans mon café, Vladimir. Merci. <laughs> Excusez-moi. <laughs> euh, c'est mon, c'est mon. Bon, mec, euh, oui, bon, plus sérieusement, on leur souhaite évidemment bon courage et c'est pas ah le seul oui. studio euh, ukrainien qui est impacté par, euh, par ce qui se passe. Il y a aussi euh, Ubisoft Kiev qui est impacté et d'autres dont on connaît probablement pas les noms parce qu'ils font pas de FPS, mais on leur souhaite euh, bon courage. Euh, on va entamer la section mise à jour DLC. Je vous donne les titres si vous voulez dire quelques mots, vous m'arrêtez, sinon on passe très rapidement dessus. Uh, Ready or Not, le FPS Tactical, a sorti deux mises à jour, une fin janvier, mais l'émission était avant qu'elle sorte, et une il y a quelques jours pour le mois de février. Des armes en plus, euh, quelques maps. Non, personne. Parfait. Euh, le premier de DLC de Tchernobyl sortira en avril. T'as euh, dit bien, euh, je crois, mais... Oui, c'est Tchernobylite, mais c'est la blague oui merci ah. c'est par euh, euh, oui oui il y a un DLC mais gratuit donc euh, en gros c'est une grosse mise à jour et euh, ils ont déjà euh, poussé en fait des mises à jour euh, je crois justement en décembre il y avait une nouvelle map donc euh, bah, c'est bien parce que moi justement j'ai joué euh, en décembre en janvier je sais plus et euh, j'ai trouvé vraiment pas mal il euh, y aura peut-être moyen de, de le retester d'ici euh, quelques mois euh, parce qu'on je sais que Ruta avait fait, euh, avait fait plusieurs previews euh, mm. du jeu, donc il en avait un peu, euh, un peu marre de, de refaire, euh, de refaire et refaire le jeu. Donc il euh, faudrait voir si on peut pas en faire un test un peu plus tard. Parce que je, enfin moi j'ai trouvé vraiment très très bien, pas, pas de bugs, enfin euh, voilà. Et donc il euh, y aura des trucs dont euh, une map en VR euh, d'ici, euh, d'ici je sais pas, euh, la fin de l'année je crois. Euh, donc il euh, y a pas mal de, de nouveautés prévues pour, pour Chernobylite, Et euh, voilà, l'ambiance est, est franchement réussie, je trouve. Donc, euh, voilà. Ok. Et, euh, alors on me demande si euh, Raider Not c'est mieux que ces deux mises à jour. Euh, bah, les mises à jour ajoutent euh, rapidement, ont juste ajouté genre, des armes supplémentaires, euh, corrigé quelques bugs d'IA et ont ajouté des cartes euh, en développement, mais vraiment en développement. Donc c'est pas très très intéressant à mon sens euh, maintenant quoi. Il faut attendre au moins, euh, je pense, la fin de l'année pour avoir quelque chose de plus consistant dans les mains. Euh, autre patch, euh, la mise à jour 1.5 sur Cyberpunk euh, 2077 qui est sortie. Personne. Bah suis, on peut en parler vite fait quand même wow. parce que oui, quand euh... même, c'est un gros patch. Merci. Un ouais. gros patch ta... qui a Je vous vois regarder euh... vos pieds. Hein. Qui ajoute qu ouais. rien, je crois. Si 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 si, Il y a... ça a retravaillait euh, pas mal euh, l'IA. Euh, donc sans que ce soit euh, transcendant, euh, euh, elle réagit mieux au combat, aux combats, aux actions du joueur, que ce soit pour les ennemis ou pour euh, les civils euh, qui, passent, euh, euh, qui passent dans la foule, quoi il euh, y a la police aussi qui a été améliorée, le système de police parce que là euh, au début au lancement du jeu la police apparaissait devant toi quand tu faisais une connerie ça faisait un peu comme dans, comme dans Oblivion je sais pas si vous avez joué à Oblivion mais ah oui, tu oui, volais oui. une pomme, t'avais un... un flic qui est... enfin, t'avais un garde qui apparaissait dans ton eh ben, dos cyberpunk c'était pareil euh, c'était très mal géré et là du coup c'est beaucoup mieux géré même ah, je crois si que, que j'ai vu une loin. vidéo de Crowbar là dessus justement euh... Non, attends, c'est pas Chrome ça, 4. pas Chrome 4, ouais. Qui... Qui teste le truc et où le truc des flics, en gros, il voit des flics repoper. Euh... Alors, peut-être un peu plus loin et peut-être deux secondes après. Mais tu vois, en fait, tu vois là sur la carte, tu, sais, tu vois les points, je ne sais plus quelle couleur mais points rouges, tu vois, ou je sais pas quoi, des flics popés. enfin, apparaître, ouais, littéralement, tu vois, dès qu'il fait un crime. Donc là c'est pour ça que je disais, je suis pas sûr que ça a ajouté quelque chose, mais euh... j'ai pas testé après, moi, le, le patch. Donc, euh... donc voilà, je ne saurais dire. Mais c'était pour mettre un ah, peu ouais, de. Cap. L'instant, les, les retours sont quand même plutôt positifs. La conduite aussi, la conduite des véhicules a été, euh, a été améliorée, euh, ce qui est pas mal parce qu'avant c'était ouais. pas vraiment comme chez Bissop, caisse à savon. C'était ouais. euh... enfin, même pas des caisses à savon, je crois que c'était juste des caisses. Tu vois <rire> <rire> Et euh, Voilà, bon, après, tu as aussi euh, ils ont bossé sur l'économie, donc euh, sur les, les gains euh, des quêtes, le prix des armes, etc. parce que c'est vrai que je crois que c'était euh, un peu insensé. Euh, et puis, bien sûr, ce qui est le plus important, maintenant, il y a une simulation de cosplay puisqu'on peut modifier son personnage, euh, faire du maquillage, euh, des vêtements, machin, décorer l'appartement, ça c'est très très important. Euh, voilà. Puis as aussi pas mal d'améliorations visuelles euh, sur, euh, sur le ray tracing, sur euh, sur pas mal de choses voilà, comme ça. Ok, euh, autre mise à jour, c'est No Man's Sky qui a reçu sa mise à jour, euh, qui a fait le plein de Sentinelle, mais je ne sais plus ce que ça veut dire, FCP. De... Oui, bon, on va faire ça, on va faire ça brièvement. Sa mise à jour Sentinelle, pardon. Bien qu'on euh, se soit fait taxer de quoi cette fois De masculiniste d'extrême droite pédophile, euh, je ne sais plus très bien, sur Twitter, puisqu'on avait dit du ouais. mal Ouais, juste de fils de pute, je crois. Ah, enfin, alors non, vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'était. Non, il fallait deviner la, la lettre en changeant une lettre, apparemment. Oui, euh... ah oui, le voilà. nom Par pseudo. Un journaliste ah, de. FTP. Tu Par crois un que c'était FDP Bon, bref. Euh, non, mais tout ça pour dire qu'en plus, je, je crois pas avoir été particulièrement méchant avec euh, No Man's Sky à ce moment-là, mais bon, c'est encore. Ils nous servent encore les mises à jour, toujours avec. Euh avec la belle musique et tout ça, pour, juste pour dire qu'en gros, ils ajoutent des, des ennemis. quoi, euh, Donc des sentinelles robots, des sentinelles méca, euh, voilà, poum poum, pam pam, génial. Euh, c'est pas ça qu'il faut changer, c'est le fond du jeu pour que ça devienne intéressant. A savoir que du coup, moi, je l'avais retesté euh, l'année dernière, je crois. Après Moult, Moult, euh, patch et grande mise à jour, etc. Et j'avais toujours trouvé ça aussi chiant. Donc, euh, donc voilà, des sentinelles, de nouveaux ennemis. Est-ce que c'est ce que c'est -ce ça qui fera relancer le jeu pour ceux okay, qui apprécient le jeu euh, je sais pas. Merci fils je de pute euh, FCP. Euh, pardon. On salue notre confrère euh, hein, de nomansky.fr qui insulte les gens de fils de pute. <laughs> ça fait toujours est... plaisir. Bon, ça fait toujours plaisir ah, oui, avec son oui, petit oui. site de pour merde ça fait ça, hein. avec euh, probablement 20 lecteurs. on... Euh... On lui fait plein de bisous. Euh, mise à jour euh, Counter Strike Global Offensive qui a reçu a six nouvelles cartes. Euh, bon, je peux dire quelques mots dessus. Donc euh, l'opération reptide est arrivée à son terme et euh, Val va remplacer, euh, à retirer quelques cartes et euh, six nouvelles cartes issues de la communauté sont maintenant disponibles dans divers modes de jeu. Et pour terminer cette section. Mise à jour, c'est Pistol Wipe, le jeu de rythme en VR, qui a reçu aussi une mise à jour majeure avec nouvelles scènes, nouvelle musique. Voilà, que dire de plus Rien du tout. Bah, Et on finit là-dessus. C'est comme un bon jeu, jeu VR, donc jouez-y. Oui, oui c'est un, un bon jeu. Mais... Ouais, c'est un bon jeu VR. Ouais, bon je vraiment très très bien. Voilà. Mise à jour gratuite, précisons-le. Euh, mais pour en profiter pleinement, il faut posséder le DLC, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'ils avaient sorti. Euh, euh, 2089, 2000, non, non pas ça Ouais, 2089, c'est ça. Ok. Je crois euh... qu'il y a un cul dans le jeu de base, hein, maintenant. Il... Ah, maintenant Ok. Ah bah, en tout cas, moi, quand je l'ai pris, il euh, y avait déjà dedans. D'accord. Bah Moi, à l'époque, euh, non. Euh, ok. Instant Tech, messieurs. Qui ici a précommandé une Steam Deck une ou toi. un, je ne sais pas. Je demanderai à l'Académie française pour euh, la prochaine toi, fois. Toi, nous, nous, je crois. Ah, euh, que toi. Oui, ouais. Que moi qui ai euh, précommandé. Non, ben bah, j'ai pas précommandé. J'ai lâché 5 balles pour avoir ma place dans la, dans la queue au cas où. Ok. Euh, bah quelqu'un pour euh, en parler vu que les... donc elle est sortie le 25 février dernier. Euh, on a eu plein de tests euh, partout en vidéo sur Internet. Les premiers acheteurs ont reçu leur exemplaire. Euh, en gros, euh, bon bah l'expérience est cool, mais c'est encore euh, assez bancal parce que les jeux ne marchent pas évidemment tous parfaitement bien. Quelqu'un veut en dire plus Moi, j'ai pas besoin d'en dire plus dessus, mais. Mmh. Bah Alors, apparemment, sans... euh, oui, ça, ça aurait mérité un petit peu plus de développement d'après ce que d'après ce qu'on peut lire euh, en retour. Euh, après, euh, bon, est-ce qu'on aurait vraiment voilà. quelque chose à faire okay. Non, non. Bah, je voilà. sais qu'FCP a une Switch. Peut-être que ça l'intéresse d'avoir une un ou une Steam Deck. Euh... En fait, euh, j'attendais ton retour éventuellement et qui n'est qu ne, qu toujours pas venu puisque tu ne l'as toujours pas reçu. Et comme, euh, comme vous le disiez, ouais, ça a pas l'air. Ça aurait mérité plus de temps de développement a priori, donc euh, pas spécialement. Et puis vu vu, okay. vu ce dont je me, vu comment je me sers de la Switch, c'est-à-dire jamais. Ouais. Finalement. Euh... Et précisons ah, le seul, du temps de développement. Intéressant peut-être, c'est que ils ont euh, Valve va sortir un nouveau jeu pour l'occasion. Oui, c'est vrai. vrai une petite euh, Aperture euh, Desk, je crois. Desk, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Aperture euh, Desk Job, euh, qui est une sorte de petite aventure dans l'univers de, de Portal, euh, gratuite. Donc euh, là, vous pouvez le télécharger chez vous, là ce soir, dès maintenant, euh, pour tester ça. Mais euh, apparemment, c'est fait pour montrer les capacités de la Steam Deck, mais je vois pas trop. Euh, quel, de quelle capacité ça parle exactement parce que euh, mais c'est pas, cas, pas euh, quand c'est pas une exclu uh, Steam Deck enfin de toute façon il y a c'est pas, non, non, pas non, possible une exclue Steam une, Deck avec après, ouais. avec, euh, avec une manette et c'est quoi comme ouais, type de non. jeu oui ça c'est pas du tout FPS ni rien c je, je pense du shooting c'est ah, okay. un petit jeu euh, je crois que ça durera une demi-heure à tout casser cas c'est vraiment euh... mm. c'est ça c'est un peu comme les les petits trucs VR qu'ils avaient sortis pour euh... ouais Ouais, voilà. lab, ouais. ouais ouais voilà et euh, on nous parle d'une ouais. V2 ouais, déjà dans rumeur euh, dans le chat j'ai vu aujourd'hui quand on dit que, que le... aurait mérité plus de temps de développement c'est pas du côté hardware où le côté hardware est, apparemment fonctionne bien et assez impressionnant c'est surtout le côté software de faire tourner euh, la bibliothèque euh, énorme de Steam euh, sans souci et que de nombreux jeux euh, ont encore des soucis compatible. et que ça, ouais, puis, voilà, et ça prend énormément de temps ah si, j'ai un, un truc quand même, j'ai fait un petit vrac là-dessus. Euh, Bungie dit que si vous essayez de lancer euh, Destiny 2 sur euh, Steam Deck, vous serez banni. Parce qu'ils euh, <laughs> ne supportent pas, euh, euh, en gros, les, le portage sur Linux. Et donc, si vous tentez de lancer, de contourner l'incompatibilité, euh, bah, vous serez banni. Et ce sera pas fait pour vous. Ouais. Et, mais je pense que c'est à voir avec euh, ce qu'ils ont des. Euh... Pour les anti cheat tiers, ouais, qu ouais, utilisent ouais, et qui sont pas Tout compatibles fait. avec euh, avec Linux et, et du coup ça ouvre la porte euh, à tous les étages. Ouais. Et pour terminer cette section news, c'est le launcher de Bethesda qui dit bye bye, euh, qui puisque Bethesda annonçait qu'il allait fermer ses portes et qu'on pouvait migrer l'intégralité de nos jeux sur Steam. C'est étonnant que -ce, ce soit pas Microsoft. Ouais. Hum. N'est-ce pas, euh, FCP Ouais, carrément. Bon, après, euh, ça va, je me débrouille pas trop mal avec le cerveau réduit que j'ai. Il suffisait de lier son compte et puis, euh, puis voilà, ça ça marchait quoi. C'était pas non plus. Euh... Pas Vous non avez plus des un jeux sur le Bethesda euh... Launcher Moi, je crois... j'en avais qu'un, c'était euh, Fallout 76. 76 ben, J'étais dans le Mais même, même... toi. Non, j'ai dû, dû 15, en avoir d'autres, euh... ouais. Des fois, les clés qu'on nous envoyait, c'était des clés Bethesda ou comme ça, ça doit être pour ça. Ouais, ah, je si, si, je dois avoir euh, Rage 2 aussi. Ouais. Vraiment ouais. enfin, ouais. bon, les meilleurs. <laughs> bah, ouais. La crème de, de la, de la crème. crème. Moi, je soutiens les développeurs euh, exceptionnels en, en achetant hein. directement sur leur plateforme. Ce qui met fin à cette section news et avant d'attaquer les tests preview du mois de février, euh, apparemment il y a un quiz mais j'ai pas ouais. du tout lu ce qu'on me contre, balançait euh, en PM donc je ne sais rien. T'as pas le générique Non. Pas grave, Sarah a... va nous faire un petit générique à la bouche. Euh, à la bouche, je peux faire de la smr euh, bouteille d'eau, mais euh, ouais, bon, bon euh, ce que tu veux. Bipou, bipou, euh, pipou, 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 voilà. Donc ça c'était le... ouais, ça donne envie. Allez, allez, cours de flûte du collège, ça t'a servi. Euh oui, ah, vache. Euh, Bah du coup c'est un quiz musical. Euh, on en avait déjà fait un, il me semble. Euh, donc du coup cette fois pour être plus original, on va vous jouer des morceaux euh, de de musique de FPS connus, mais à l'envers ou voire un peu plus encore déformés. Euh, normalement ça va, c'est pas trop dur. Donc on commence euh, par le premier euh, dans le chat, euh, le premier qui donne la bonne réponse à, à gagner un point. Je sais pas qui pourra faire les comptes. J'ai le petit carnet des comptes. Et euh, qu'est-ce qu'on fait gagner bah, Comme d'hab, euh... copie de Fallout 76. Exactement. <laughs> Dédicacé <laughs> par, a... euh, par. Vladimir. Non, je vous offre le gagnant euh, gagne une clé pour euh, Battle Cry of Freedom parce qu'on en avait eu euh, deux. Il y en a une qui est partie chez serre et, euh, et euh, la deuxième qui est euh qui attend un, un acquéreur donc vous aurez un jeu de merde. Bon c'est parti du coup. Bon, je vais avancer un peu. Nous pour entendre on doit mettre le chat je suppose. Euh ouais bon, vous me dites si c'est pas assez fort. Tu mets un peu plus fort je pense. Ouais c'est que celle-ci est particulièrement douce. Non ce n'est pas Doom. Alors, je l'ai pas mise que à l'envers, il y a aussi de la disto dessus. Personnellement, j'entends rien. Vous entendez rien là Faut mettre un peu plus fort, je pense. Alors, petit indice, c'est un jeu, euh, on en a parlé. Pendant, dans les news. Ouais, euh, Aujourd'hui. Mais... Ouais, on a une bonne réponse. Ouais, voilà. réponse. C'est la chaîne de pommes. Donc j'imagine ouais, que c'est mal écrit, mais. Ah ouais, non, Mark, il a, il a, pas, quoi, il a pas, il a pas, il a pas gagné. Non. Il a pas bien écrit, non, je déconne. Ah ben bah, fallait préciser au euh, moment de donner les règles. Ouais, Bioshock, euh, ouais. mais je, juste à l'envers, on, le on fait, reconnaît ça je trouve. Moi bah bah quand je fais un vrai, faut jeu donner jeu la réponse à l'envers. Ah ouais. Ah, ça, que... ça drôle. <laughs> on a qu'à dire ça pour le prochain. Euh, ok bah, bravo Pomme. Un point pour Pomme. Euh, on passe à la suivante. Donc on prend la réponse uniquement si elle est à l'envers. <laughs> Vous allez galérer, <laughs> putain. Ouais bon, je, a... je vais avancer un peu. Reculer putain. Oui, enfin ouais. C'est net quoi. C'est dur quand même, c'est dur le ouais. J'avoue. FPS. <rire> <rire> Fais Snowboard qui tente allô. Euh, non. Destiny 2 <laughs> Alors à l'envers ça donne quoi Non c'est pas ça. Je t'épargne. En vrai celui-là il est connu mais c'est pas tout le monde qui a joué non plus quoi. Ça commence par la même lettre que le précédent. <laughs> J'en ai bientôt. C'est véritable... un jeu qui est une véritable tempête. Exactement. tempête de balles Exactement. Je la remets au début. Non, franchement, c'est ultra dur à l'envers. Pomme peux là, la... Storm. <laughs> ouais, oh, ouais, ouais, pomme. Je vais à l'envers. <laughs> <laughs> y a personne qui trouve hein, tes trucs, un hein, FCP. <laughs> ah si, si, c'est bon. Bah vous êtes mauvais aussi, les gars. Putain. Bon, allez, je mets la prochaine. Ça là, c'est facile, ça là. Si je vous mets, euh, si je vous mets direct le, le début enfin, ou la fin, je sais pas. Non, non. Ouais, Gota bon. qui dit doom à chaque Facile. fois. <laughs> Il sait que ça va tomber un moment. Non, c'est pas cyberpunk non plus. Ah Ah! Ah, ah c'est bon, on l'a. Alors, moi j'ai un chiffre après, mais bon. Est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, euh, est, qu euh, est méchant euh. ou pas <laughs> Non bah, vas-y, on lui donne, on lui donne. Allez on lui donne, Balzaran. C'est le 2 pour info. C'était Crisis. Crisis ouais. 2 ouais. Ouais. Crisis 2. Ah ouais. putain. <laughs> putain. Un or en boîte qui s'acharne. Euh, bah, bien joué, bien joué. Alors celle-là, va falloir être rapide, je pense. Attention. Ah, facile. Non, non, euh, bon. euh, ouais, Avec une grosse ouais. disto, pour, pour rendre ça plus difficile, mais... Ouais. Une belle à trouver. Euh... Elles sont toutes à l'envers ou. Elles sont toutes à l'envers, il y en a une ou deux où j'ai rajouté de la disto pour que ça ah. soit plus difficile. Genre celle-là, même à l'envers, c'était c'était ultra ultra évident. Celle-là, c'est un peu compliqué. Et en plus, ouais, a... disons non, que c'est ouais, un ouais, marché ouais, de voilà. niche. As allé dire quoi, Ruta ah, est si compliqué celle-là! Call of, non. Par contre, à écrire à l'envers, euh, c'est la merde. <laughs> non, mais moi je, je prends pas cette, euh, cette règle en compte. Hein. Un jeu de Ruta, euh, pff, oui, en quelque sorte, ah, oui. Euh... Un jeu de tout le monde, hein. toute la Reda qui a joué, c'est sûr. Mais euh, je pense que mais tout le monde ça. y a joué quoi. Il y a un remake euh, est... qui est sorti. Oh la vache <laughs> non. Et c'est pas un jeu réputé pour sa musique. Mais euh, mais elles existent. Ça ouais. Ouais bon. Tu trouves pas J'ai euh, pas l'impression. Mais je sais même pas si on la passant à oh, l'endroit il ouais. et, et trouverait. Allez, on va la passer à l'endroit. Sérieux, les gars? Oh là là. Là, normalement, la, là, vous trouvez là. Merde. Là, vous trouvez là. Non. Vous trouvez même pas à moitié? Même pas, euh, La moitié du jeu? J'imagine Aurita et FCP faire le truc dans leur coin. Oh c'est trop facile ça. personne qui trouve. Le demi du jeu, ça serait déjà bien de trouver le demi nom <laughs> du jeu. La moitié de vie du jeu, par exemple. Ouais, oh. oh, putain, vous êtes mauvais. <laughs> oh, la musique de FC est horrible. Oh, ouais. Ah. Bon, ben bah, voilà, on peut, on peut arrêter le massacre. Donc euh, Balzaran a, a trouvé. Quel enfer. Bon, à la prochaine. Est-ce que je devrais pas mettre plutôt le début, enfin la fin pour moi J'avoue que là quand même c'est chaud, je devrais peut-être plutôt mettre le début du. du morceau. Civilisation. <laughs> très très grand FPS. Ouais, c'est très connu, ouais. Alors, pour info, quelqu'un l'a sorti en guise de réponse tout à l'heure. Mais c'était pas ça tout à l'heure. Mais maintenant, c'est ça. <laughs> Cet échec total, ce quiz <laughs> Ouais, vraiment, personne n'est au <laughs> Non, personne. Ah, bon, ouais, à l'endroit. Bon. Ouais. Ah, si, ouais. putain, j'allais la mettre à l'endroit. Eh ouais, oui, ouais, c'était quoi c c Sam Sam Sérieux Sam. Sérieux Sam tu, tu tiens toujours les comptes, toi, ça a l'air, tout va bien Ouais, tu, toujours, toujours. Bon, allez, le prochain. Celui-là, ça va être compliqué, je vais mettre euh, par là aussi. Ouais. Celui-là, normalement, si vous avez suivi l'émission depuis le début, il était au... avant que l'émission commence. Et j'ai envie de dire si vous lisez euh, euh, avec euh, assiduité les tests euh, de NoPag, vous... T'as parlé vous de la licence il n'y a pas longtemps. Hein. Hmm. Bah j'ai même parlé de cette musique précisément il n'y a pas longtemps. En disant que c'était... Non, tout pas tout du fait. tout celtique non. Ouais, Ça finit par hic la musique aussi mais c'est pas. <laughs> <laughs> bon va on va, on va pas y passer euh, 12 ans, okay. <laughs> je vais la mettre à l'endroit. Que... Non, c'est pas Exen, c'est beaucoup plus récent. Presque pensé à Doom, mais c'est pas Doom. Oh là là ouais, Je crois que Faut on l'a trouvé, nous c'est Shadow Warrior non ouais. ouais. Le 2. Bon, Le 2. Bon à la prochaine. Un échec euh, ce quiz. Top gun <laughs> C'est vrai qu'il y a un côté Top Gun je me souviens pas du tout de la musique de Top Gun On a parlé de la licence tout à l'heure dans les news euh... malheureusement libre Si je vous mets la fin enfin le début bah, j'ai même envie de dire que nous non, est, est en plein dedans quoi en plus ouais tu lances ah le jeu oui, t'as ça normalement direct c'est mon arrière-plan hein. ouais St alors c'est pas c'est pas Stalker <laughs> Stalker ouais c'était la musique du menu de Stalker bref euh, donc on dit que Belzaran a, a gagné enfin a pris un point attendez il y en a encore 50 hein il y en a encore 50 ouais. Enfin 40. Ouais rester... euh... ah non bah bon après. Euh... Non il en reste plus que deux. Dernière. Ah. Bah ben, il reste celle-là et une autre. Ah tu peux trouver là hein. Ouais, celle-là elle ressemble à la version euh... dans le bon sens en fait. <laughs> Et en même temps, c'est un peu dur. Ah, c'est un peu dur, mais c'est un classique. Alors là, ouais, euh, Xan euh, aurait trouvé, euh, je vous pense. Y avez tous, je pense que vous y avez tous joué. Non, c'est pas la plus. Bon, bah, la version à l'endroit, du coup. Même dans la rédac vous l'avez pas celle-là C'est Wolfenstein mais... Enfin le retour tout... Non. Ah non non, courant classique du FPS. Du FPS multijoueur. En arène. T'as dit quoi Non, pas ennemi territorial. Bon bah tant pis hein. C'était un jeu avec des tournois... J'ai dit Unreal. Ah, on t'a pas entendu, enfin je t'ai pas entendu moi. Ah, je vote pour que Ruta refasse les quiz bon. Cet échec Non mais il va tout refaire la prochaine fois Ruta La réale, les quiz Et la dernière du coup Je crois qu'on a cité la licence tout à l'heure. Ouais. Bah, il y en a qui ils ont déjà envoyé pour euh, d'autres réponses. Ouais. La musique du menu. Ouais, c'est ça. Ouais. 3. Wolfenstein. Ouais. <laughs> ouais. Gotex. New Order. Les spammers fous. Bon, bah, c'était un super test. Moi, je pense que je vais aller me, me pendre euh, juste après, là. Et puis, euh... Voilà, donc n'hésitez pas à retrouver le CD des musiques de FPS remixé par FCP <laughs> dans tous les bons bacs à deux euros de la Fnac. Dès lundi. Qui a euh, gagné, SR C'est euh, hein euh, Belzaran ah. qui a gagné. Ah là là, putain. Désolé, Gotax. Ouais, t'étais pas loin. Eh ben merci euh, beaucoup. Belzard euh, il va plus euh... avoir de place dans, ce... dans sa penderie avec les <laughs> avec... <laughs> <tu cherchais rire> <gars. rire> Non, là il gagne une clé pour un jeu pourri. Ah oui, si c'est vrai, c'est vrai, vrai. Ah, oui, c'est bah, ah, bah, euh... bon, Allez, ton dressing est sauvé, Belzard. Euh, merci beaucoup FCP. Tu viendras me voir après l'émission dans mon bureau avec euh, si possible. <rire> <rire> tu... un, car... Un, car... un carton. Ouais. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Euh, merci ouais, beaucoup. Ok. T'inquiète pas, ça durera pas, ça durera pas le OK, très bien, très bien. <laughs> euh, parce que là ce soir entre la Real qui lag et tes musiques remixées, <laughs> il va falloir arrêter hein. Mais bon, bah, comme Nodus, euh, je tenais on à vous annoncer ça, euh... que je vais quitter la rédaction de de d'ici la fin du mois de mars. Oui, voilà, donc je voulais partir en beauté oui, et, et, et Nodus te remplace. Euh, Exactement. Voilà, bon, il fallait pas le dire, midi, <laughs> on avait dit qu'on gardait le deal secret parce qu'il ouvre une rubrique vernis à ongles sur Nofrag. Cool. <laughs> les derniers tests euh, de chez Sephora. Et en parlant de test et preview, euh, on va attaquer cette grosse section parce qu'il y a deux gros morceaux et un plus petit. On va commencer par le plus petit. Comme ça, c'est ouais. fait. Euh, on va commencer par le petit euh, retro -FPS, FPS. Alors, qui est pas un test, c'est une preview parce qu'il est en dans access. C'est euh, Blood West. Mmh. Rita, parle-nous de Blood West. Euh, alors Blood West, c'est un, euh, un petit rétro FPS euh, qui est publié par, enfin euh, qui est développé par Hyper Strange euh, dont on avait déjà parlé en fait euh, parce que Hyper Strange avait fait Elderborn qui était un FPS first person slasher que Nounours avait essayé je crois en stream. Euh, non, euh. Ah, Elden, Elden, ah oui, oh putain, c'était vraiment de la merde. Ouais, c'était un espèce de tentative de faire un Dark Souls en, en FPS un peu. Euh, mais c'était vraiment fauché. Et euh, aussi, c'est les développeurs de Postal Brain Damaged, qui oh. est euh, un, un fast euh, une espèce de fast FPS euh, dans l'univers de euh, Postal, ce qui est assez étonnant. Bref, donc ce développeur a décidé de sortir euh, Blood West, qui est une version euh, un peu western en fait de Stalker. Euh, en version rétro, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est euh, euh, des visuels euh, à l'ancienne. Il euh, y, euh, y a vraiment un côté Stalker dans le sens où tu vas explorer une grande map assez ouverte. Et euh, tu vas devoir te préparer avec un système d'inventaire, des objets à ramasser, euh, des munitions, euh, quelques PNJ avec lesquels discuter. Mais euh, bon, il n'y a pas non plus un, un, des dialogues très 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 très, très profonds. Euh, mais enfin euh, voilà. Donc en gros, en gros, leur volonté c'est vraiment de faire un espèce de Stalker Light. Euh, et de ce côté-là, bah, c'est vrai que ça y ressemble un peu. Maintenant, le jeu est intéressant dans son ambiance et dans sa proposition, je trouve, enfin dans son concept. Mais le truc, c'est que euh, il se foire sur l'équilibrage. Il est beaucoup, beaucoup trop facile. Euh, ce qui fait que tu n'as aucune tension, tu n'as euh, aucun moyen euh, vraiment d'échouer. Donc, euh, au final, tout ce qui est le côté horrifique du jeu euh, bah, tombe à plat très, très vite. Il euh, n'y a plus vraiment de gestion de munitions, puisque en tu fait, en trouves beaucoup beaucoup sur les ennemis euh, et dans les décors. Ce qui fait que bah, une fois que tu as, euh, en fait, as 150 balles de flingue, bah, tu te poses plus trop de questions, tu arrives et tu défourailles. Alors qu'à l'origine, euh, le jeu es essaye d'être un peu hardcore, et ça, ça se foire là, largement sur le côté hardcore. Ce qui est d'autant plus bizarre que euh, la démo, elle, était vraiment hardcore. Tu, tu mourrais très très oui. vite, tu, tu. Comment dire Tu avais vachement plus de tension parce que je pense que, genre, tu avais trois euh, balles de flingue, donc tu devais vraiment les utiliser au bon moment. Les ennemis étaient vachement plus dangereux. Euh, ça marchait mieux, je trouve, sur la démo que sur la version Early Access qui est, euh, qui est beaucoup moins bien équilibrée. Euh, je pense aussi que c'est dû à toute une catégorie de joueurs qui se sont plaints. De, de cette difficulté de la démo et du coup les mecs ils ont essayé de se rattraper euh, en, en déséquilibrant le jeu et c'est vraiment dommage que je, je trouve que ça perd euh, complètement de son intérêt euh, parce que enfin dans le concept c'est vraiment cool et ça pourrait, être un euh, ça pourrait être un excellent jeu quoi mais euh, là en l'état euh, pas trop et puis au final c'est assez court il n'y a pas beaucoup de contenu pour l'instant donc, euh, donc voilà à voir s'ils arrivent à rattraper le tir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci, hein. donc ils en ont parlé sur leur Discord. Euh, euh, ils, ils vont, ils veulent retaper l'équilibrage du jeu. Mais euh, bon, en attendant, c'est pas, c'est pas ça quoi. D'accord. Euh, Merci. Runa. Voilà. Voilà. C'est disponible sur Steam depuis le 10 février. Ça coûte 15 balles et donc c'est toujours en accès anticipé. Et les webcams relaxent c'est normal. Pas besoin de mettre de messages dans le chat. On sait. Euh, second, on va attaquer les deux gros morceaux. Euh, on va peut-être attaquer par le. Euh, comme ça, Ruta va toujours continuer par le moins gros morceau des deux. C'est Shadow Warrior 3 qui est sorti euh, bah, il y a quelques jours et dont tu le qualifiais d'honnête parodie de Doom Eternal. Ouais. Euh, donc Shadow Warrior 3, c'est. Euh, en fait, c'est le quatrième, je pense, parce qu'il ouais. n'y a eu qu'un seul. Dans les années 90, il y, en a eu, il y avait Shadow Warrior qui est sorti. Ils ont fait un reboot en 2013 qui était un peu plus... Euh, c'était un FPS couloir un peu classique, euh, mais euh, assez, assez stylé en fait. C'était assez intéressant, mais euh, bon voilà, c'était un peu fauché. Ensuite, ils ont fait Shadow Warrior 2 qui était un looter-shooter en coop, euh, mais qui était quand même mieux qu'un Borderlands, il y avait quand même plus d'intérêt dans le gameplay. Et là, Shadow War 3 s'inspire complètement de Doom Eternal. Donc, ça fait euh, euh, trois jeux du reboot, trois, jeux, trois styles de jeux différents. Euh, et. Euh, comment dire non, Je me suis un peu perdu. Donc, ouais, donc vraiment, euh, ça s'est vraiment inspiré de Doom Eternal. On le voyait complètement dans les, euh, dans les cinématiques, dans les trailers. Euh, dans, même dans le qu'est-ce que je raconte thématique dans les gameplay euh, c'est euh, en arène j'attendais je, je suis en train de me perdre dans, mes, dans, mon, dans mon discours en gros c'est des, des arènes avec plein d'ennemis et entrecoupé de passages de plateforme c'est vraiment euh, le, le même c'est vraiment ouais, le même, la même structure que Doom Eternal euh, avec euh, cette espèce de de, de, de côté où t'as pas beaucoup de vie pas beaucoup de munitions et tu dois utiliser certaines armes pour euh, ramasser ou de la vie ou des munitions. Donc par exemple, ton katana, si tu découpes les mecs, tu récupères euh, des munitions et si tu tires, euh, si tu tues les mecs au flingue, eh ben, là tu vas récupérer de la vie. Donc euh, tu as ce côté-là qui est un peu comme dans Doom Eternal où c'était euh, la même chose mais avec euh, la tronçonneuse, lance-flamme, etc. Euh... Donc c'est très très similaire et en même temps, c'est euh, moins bien fait parce que. Euh, c'est vachement plus brouillon. Euh, J'ai l'impression que les ennemis, ils ont un peu tous euh, la même mécanique. Même si tu sens quand même qu'ils ont essayé de faire des ennemis euh, variés. D'ailleurs, au, au niveau de leur design, ils sont, euh, ils sont extrêmement variés. Le, le jeu est, euh, est super original dans son univers. C'est euh, super cool. C'est Ça pète les yeux. Parce que tu as des couleurs dans tous les sens et tout. Et, euh, mais, mais dans les mécaniques, les ennemis, je trouve qu'ils sont un peu trop similaires. Et, euh, et du coup, t'as pas ce côté euh, euh, subtil que tu pouvais avoir dans Doom Eternal où il faut faire du, euh, du crot de contrôle, mais euh, en comprenant vraiment euh, quel ennemi abattre en premier, euh, comment le faire, etc. Là, c'est vraiment plus bourrin, en fait. C'est vraiment du gros bourrinage. Alors, c'est plutôt bien fait euh, à ce niveau-là parce que tu as, euh, as vraiment pas mal de facultés. Tu as des, euh, euh, des, euh, des dégâts élémentaires avec euh, des barils que tu trouves ça et là qui vont faire des dégâts d'électricité, des dégâts de feu, des dégâts de glace. T'as euh, euh, des, euh, des pièges dans l'environnement le, dans que tu dois déclencher pour euh, tuer les ennemis. T'as as un système d'ultime qui est un kill move qui peut se déclencher une fois que tu rempli une jauge euh, qui te permet de récupérer l'arme des ennemis bah, pour, euh, pour les fumer à coups de sulfateuses ou, euh, ou de disques volants euh, à tête chercheuse ou plein de trucs comme ça. C'est euh, temporaire ou euh, tu, tu le gardes oh, Ouais, c'est temporaire. Non, non, c'est temporaire. Tu les as que pour un temps et c'est tant mieux parce que c'est enfin, un truc tactique en plus. Mais mmh. en fait au lieu de rajouter euh, une possibilité de tactique ça va plus rajouter euh, au côté euh, des fouloirs en fait. Ouais, euh, ouais, et euh, et c'est très, très... un jeu qui est à la fois nerveux mais, mais trop bourrin en fait. Je sais pas comment dire, c'est très bien les jeux bourrins mais, mais du coup tu perds toute la subtilité de Doom Eternal. Donc c'est c'est quand même moins moins bah, c'est bourrin mais pas subtil quoi c'est juste fin. ça en fait c'est ouais ouais c'est moins fin et du coup c'est moins intéressant parce que euh, bah, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'avaient pas aimé Doom Eternal justement parce que je pense que ça t'obligeait à sortir de, de ce côté bourrin euh, et là là c'est trop simple du coup moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça trop simple après c'est Enfin, ça reste bah. un divertissement euh, correct. Enfin, je veux dire, c'est quand même cool. C'est gore, les ennemis partent en morceaux. Euh, ça Doom il était aussi plus bourrin que les que les trois. Enfin, Doom 2016, il était déjà lui aussi beaucoup plus bourrin que les trois premiers. Enfin, selon moi, je trouve. Et c'est juste qu'ils il avaient, justement dû se dire genre, attends, on peut pas juste faire un truc. Enfin, je sais pas comment le développement s'est fait, mais en tout cas ils avaient réussi à trouver l'équilibre entre si on fait un truc que bourrin, ça va être chiant en fait. Donc on va rendre ça technique. En plus les joueurs, ils vont, ils vont, ils vont. Et voilà, les joueurs qui veulent euh, du skill, etc. Ils vont y trouver leur bonheur. Et c'est vrai que là, eux, ils ont, j'ai l'impression qu'ils ont juste pris en compte le côté. Euh, bourrin 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 et puis bon avec le côté rigolo des, de la, depuis les reboots là ouais. genre un peu désabusé non mais euh, rigolo enfin tu, tu as vu ouais, mes guillemets même si je les ai pas dessinés quoi mais c'est mais... l'humour je... potache je... machin bla bla voilà. ça suffit enfin, ça, pas quoi ai pas parlé, tu vois, mais euh, mais euh, c'est vrai que ça aussi c'est assez pénible euh, bon moi j'aime bien un peu l'humour noir euh, je sais pas l'humour cynique même euh, parfois pipi caca euh, genre South Park des fois c'est drôle tu vois enfin euh, je trouve ça très drôle même, même, toujours dans du temps. Voilà, mais, euh, mais là par exemple c'est constamment des blagues, euh, des blagues de, de Zizi, ouais petit Zizi, gros Zizi, euh, ça c'est du caca, tu vois, enfin c'est en permanence en plus, donc c'est très très lourd, très très lourd dingue, ça, ça me fait beaucoup penser à Borderlands. Ah, en te, euh, en te la, on te posait la question justement, toujours mieux que Borderlands Bah a priori non. Euh, là, je que, là je trouve que non parce que c'est moins, euh, moins, les... moins cynique et désabusé que les précédents opus. Euh, ou, ou au moins, bon, euh, c'était un peu plus diffus aussi. Et là, c'est vraiment en permanence, euh, caca, zizi, prout. Voilà. Euh, voilà Donc, ça, c'est pas terrible. Après, l'histoire, on s'en fout, c'est de, de la crotte, mais au pire, c'est pas très grave. Euh, mais là où le jeu pêche aussi, c'est que le contenu est vraiment très très léger. Tu t'arrêtes, t'as 5 heures, 5 heures de jeu, euh, t'enchaînes les niveaux et c'est terminé. T'as pas, euh, pas de NG. T'as pas de mode horde, t'as juste trois modes de difficulté, mais bon, ça, franchement, même en difficile, ça change pas vraiment. Euh, ça change Et pas plus ça. New Game Plus hein, pour, les, pour les gens qui. Oui, a... New Game Plus, pardon. Et il euh, y, a, y a rien, en fait, qui te donne envie de, re, de revenir dans le jeu. Euh, contrairement, bah, je, vais, je vais encore comparer à Doom, mais dans Doom Eternal, euh, t'as euh, les master levels, euh, t'as des secrets à débloquer, des trucs. Bah, ouais, là, puis tu veux t'améliorer, euh, quoi. T'as quasiment, quasiment rien, quoi. Et. Euh, et t'as même pas ce côté euh, euh, des secrets à découvrir, parce que t'as quelques secrets, mais c'est vraiment vite fait. Et en général, les secrets, c'est, euh, oh bah tiens, il y a une plateforme à gauche, chaude dessus, ah bah voilà, t'as trouvé le secret, tu vois. Bon. Et en gros, ça te, ça te permet d'améliorer ton personnage, de gagner un point de compétence, et de rajouter encore plus de, de, de bordel à, à ce qui est déjà bordélique. Mais euh, après, je suis très critique avec le jeu, mais en soi, euh, je trouve que ça marche quand même bien dans son dans ce qu'il fait c'est juste que c'est moins bien que clairement moins bien que que, que le, le jeu dont il s'inspire donc c'est un peu dommage parce que tu sens qu'ils voulaient aller qu'ils avaient l'ambition d'aller haut et puis au final ils ont ils, ils bah, arrivent est pas le, le repoussé en plus il me semble le jeu a été repoussé. Après, globalement, euh, il est super beau pour un jeu, franchement, de, de, de cette envergure, parce que c'est n'est pas un triple A. Hein, on, est, on parle d un, d un, au mieux d'un 2A ou, ou d'un indépendant, d'un tri, triple I, comme on dit. Euh, mais <laughs> euh, mais euh, voilà, c'est très très beau. Euh, la plupart du temps, ça fonctionne, mais il est pas irréprochable au aussi au euh, niveau technique. Moi, j'ai eu des bugs de script. Euh, donc euh, le, des scripts qui se lançaient pas, je ne pouvais pas finir un niveau et je pensais que c'était moi qui faisais un truc qui, f qui, qui qui fonctionnait pas mais non en fait c'était juste le script du niveau euh, de fin de niveau qui se lançait pas euh, donc je suis resté coincé euh, un certain temps euh, là dessus euh, j'ai eu quelques bugs genre euh, je restais en parade tout le temps avec mon épée donc euh, je ne pouvais plus tirer ni rien faire euh, jusqu'à ce que je déclenche mon ultime qui a tout débloqué mais sinon euh, voilà euh, des bugs d'ennemis qui apparaissaient dans le décor un peu bon, c'est c'est des trucs euh, légers en fait finalement mais euh, parce qu'il y avait voilà ça, ça s'est débloqué mais mais bon c'est pas irréprochable techniquement et puis surtout ça rame un peu euh, ça rame même beaucoup en fait c'est dès qu'il y a beaucoup d'ennemis tu passes de 120 images par seconde à quoi, 50 40 euh, donc euh, as vraiment des grosses, grosses chutes qui peuvent être euh, un peu pénibles. Après vu que le jeu est bourrin et pas subtil, bon bah, bah, tu... Tu c'est pas grave, c'est pas ça qui va te faire perdre. Mais, euh, mais bon c'est quand même euh, quand même assez relou d'avoir une config une grosse config et, euh, et avec un jeu tirer. comme ça rame quoi. Mais, euh, mais bon globalement je, je trouve quand même que ça reste un bon jeu. Euh, mais voilà faut s'attendre à un jeu court et euh, assez cher pour, euh, et, et assez cher pour, 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 pour ce qu'il propose quoi. Ouais. Merci état ça coûte 45 euros, c'est disponible sur votre plateforme ou console préférée si vous n'avez pas de goût. Et le dernier morceau, gros gros morceau de ce mois de du mois de février, c'était Dying Light 2, FCP, c'est toi qui as testé. Ouais. Et tu n'as pas trop trop apprécié. Euh, non, j'étais très déçu. Euh, assez rapidement et je sais que tu m'avais à chaque fois qu'on parlait du jeu tu posais la question et vous vous l'attendez bla 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 vous étiez tous sceptiques et moi je dis non mais on sait jamais peut-être que euh... et puis euh, du coup j'ai quand même été encore plus déçu malgré euh, voilà malgré euh, malgré le sens critique que m'a appris naufrag euh, c'est d'autant plus dommage que tu sens bien que qu'ils qu ont voulu bien faire et qu'en plus Dying Light premier du nom euh, était, était plutôt cool, c'était pas, euh, était, était pas un triple A non plus, mais c'était un, un AA qui avait su euh, voilà, euh, avoir conscience de ses limites techniques et ne pas vouloir aller trop loin et qui proposait quelque chose de plutôt cool, donc du combat, enfin de l'espèce de survie, en, donc un jeu solo, survie avec des zombies et du, quasiment que du combat rapproché, à 80% on va dire. Euh, un mode coop, euh, un cycle jour-nuit euh, qui, était, qui était assez bien foutu, ou du coup la, la nuit t'avais beaucoup de zombies plus vénères euh, qui venaient te, qui venaient te, te faire chier. Euh, donc c'était assez cool. Bon, l'histoire était pas, était pas dingue, mais ça passait, on va dire. Et, euh, et Dying Light 2, je sais pas, les développeurs se sont sentis pousser des ailes, donc ils ont voulu faire forcément une carte 12 000 fois plus grande. Avec euh, la sainte éternelle promesse de euh, vos actions auront des réactions. Et ça, ils nous ont bassiné avec ça pendant les, pendant toute la promo. Et au final, en fait, tu tu te retrouves avec un, un espèce de monde ouvert euh, très classique. Tu ressens surtout un énorme euh, Enfin, comment comment on dit ça en français, pardon, mais genre, tu sais, le downgrade, quoi, le syndrome, genre Rainbow Six Siege ou comme ça, ou Far Cry, ou genre quand tu vois le jeu tourner, tu fais genre, attends, mais c'est beaucoup moins beau que, que ce qu'on me montrait. Et même le level design est beaucoup moins complexe que ce qu'on nous montrait jusqu'à maintenant dans la vidéo. Les, les toits se ressemblent tous, les rues sont vides, il n'y a rien. Donc déjà, tu te prends une première claque là-dessus, tu fais genre, bon, ok, l'univers, le, 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 le lore, le... Le, 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 ouais, le level design, etc. Euh, bon, a priori, ça ne va pas être ça. Bon, ok, c'est pas grave. Au moins, euh, Dying Light 1, il était cool euh, dans tout le reste, tu vois. Et puis, euh, donc déjà, euh, tu ne peux, peux pas faire de glissade. Euh, c'est un truc que tu, dois, que tu dois débloquer avec des points de compétence. Euh, le double saut, c'est pareil. Courir sur les murs, c'est pareil. Enfin, des trucs que, qui, dans un jeu de parcours, rappelons-le, parce qu'ils mettent énormément l'accent sur les déplacements. Un truc qui est bloqué de base et que tu débloques pas au bout d'une heure, hein. c'est pas à la fin du tuto que tu débloques ça. C'est des trucs, c'est même pas les premières aptitudes que tu peux débloquer. Donc tu dois passer euh, peut-être pas une dizaine d'heures, mais facile euh, six heures peut-être pour débloquer des trucs aussi euh, aussi basiques quoi. Mmh. Et en plus t'as, alors euh, je suis pas le seul à avoir eu ce, ce ressenti-là, je le précise, je me suis renseigné, tu as une sensation de à la fois de, de lenteur, enfin j'ai l'impression que tu es plus lent que dans le premier Dying Light, et dans tes déplacements juste marcher, courir, etc. Mais même aussi, tu as une espèce de... comme un lag un peu, tu sais, dans tout tes, toutes tes actions de parcours, tu vois, enjamber quelque chose, etc. Tu as, 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 as... un peu comme dans Red Dead, alors pas aussi lourd que dans Red Dead 2, tu vois, mais où, dans Red Dead 2, Red Dead Redemption 2, tu avais... ça appuyait beaucoup sur dès que tu faisais une action, il y avait plein de mini actions avant d'arriver au, au terme de ce que tu voulais faire. Euh, là, c'est juste sauter euh, par dessus une barricade. C'est, tu sens qu'il y a, donc pareil, ça te brise complètement le rythme. Donc, bah là dessus, tu prends pas spécialement ton pied, ça te fait rater des, ça te fait rater des, des parcours. Enfin, toi des des, des chemins que tu voulais prendre et tu te rates et tu retombes, etc. Bon, ok. Donc, le parcours, c'est pas ça non plus. Euh, et puis, sans surprise, du coup, évidemment, le truc qu'il nous avait promis, genre le, les répercussions, enfin, les actes auront des, des, des conséquences, etc., c'est pas du tout comme... Enfin, euh, ça ça, ça pas du tout le, euh, les, 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 autant de répercussions que ce qu'il laissait croire et euh, t'as des... Alors, en gros, tu as des factions, donc... Euh, en fonction des choix que tu vas faire d'aider plutôt telle, telle, telle faction ou telle autre, la carte va se modifier. Mais moi, personnellement, je trouvais que c'était hyper anecdotique. C'est des trucs du genre. Il y a une des factions, en gros, c'est les, les fascistes. Donc, quand tu vas eux les aider, la ville va avoir plus de, de trucs offensifs, on va dire. Donc, des, des pièges, ce genre de choses. Et euh, quand tu vas aider l'autre faction, c'est plutôt. Ça va aider le parcours. Donc, ils vont mettre des sacs pour que quand tu tombes, tu fasses pas mal, etc. Mais comment C'est des hippies, euh, c des hippies euh, du coup. Hippies. Oui, c'est un peu, c'est un peu l'idée. Enfin, j'aurais pas dit hippies. J'aurais dit, dit des, ouais, dit des pacifistes, euh, candides, qu'on qu pourrait traduire par hippies, en fait. C'est vrai. Euh, et du coup, euh, ouais, donc ah, c'est si plus le gros chaud quoi. <laughs> t'es avec lui ou t'es <laughs> <l 'extrême -brot. rire> euh... Mais sauf que du coup, ouais, je trouve que ça modifie pas. Enfin, en... ça modifie pas au point que ça tu vois ça révolutionne le gameplay ou je sais pas trop quoi et, et à vrai dire moi les, les, les pièges et les j'ai essayé de faire un peu des deux pour équilibrer le truc pour voir un peu les différentes possibilités et j'ai quasiment jamais utilisé les trucs de parcours que ça me, que ça me octroyait, ni les trucs offensifs, parce que les pièges par exemple, c'est le genre des pièges électriques, etc. C'est, ouais, se faut, faut être près du piège, sortir un truc, appuyer sur le bouton, enfin, c est, c est, c est... il y a un problème de rythme, en fait, un énorme problème ouais, de rythme dans le la jeu. De fluidité, euh... Ouais, c'est ça, ouais, et du coup, tu sais, tu t'arrêtes sans arrêt faire des trucs, etc., et c'est très chiant. Donc, là-dessus non plus, c'est pas bon, euh, et sur le reste, euh, qu qu'est-ce qu que je pourrais dire de mal d'autres, encore, euh, le, le monde ouvert... De... Attends attends je suis pas fini euh, l'histoire ouais, ouais mais attends attends même le monde ouvert elle a Ubisoft quoi c'est à dire euh, qui pullule de qui pullule de d'icônes déjà et de et de quêtes annexes alors oui on les voit les 500 heures mais alors bon, c'est 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 nul c'est à 99% c'est du FedEx donc on s'en fout quoi en fait, t'en fais, fais quelques-unes et puis au bout d'un moment tu, tu vois les mecs, tu skips les dialogues quoi, tu fais genre oui 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 d'accord il faut que je ramène les autres pigeons là-bas, d'accord j'ai compris, allez vas-y. <laughs> et donc tu skips et donc oui Ruta a, a mis le, le doigt dessus après, donc l'histoire qui avait été, euh, comment dire, euh, euh, a priori Chris, Chris Avelone avait eu... Euh, avait, avait... on ne sait pas à quel point il a écrit on ne sait pas si ce qu'il a écrit a été conservé ou pas en fait au final parce que oui, il y a une bah si, histoire lui-même je crois qu'ils avaient, avaient tout reboot ils avaient tout viré ah ça m'étonne ouais. pas Et bah alors ceci explique peut-être cela mais euh, ouais donc l'histoire c'est autant le premier c'était pas fou mais ça voulait pas trop ça c'était c'était pas trop ambitieux là tu sens qu'ils veulent te faire un truc euh ouais apocalypse et compagnie avec des factions un peu de politique donner des tu vois des leçons de morale et tout mais ça ça se chie tout le temps dessus parce que ça je sais pas les bon alors le, le doublage français est euh, complètement complètement horrible les les sous-titres français t'as des erreurs bon à la limite ça peut être rigolo sauf quand t'as des énigmes à résoudre ouais. et que du coup c'est mal traduit tu vois et que tu fais genre euh, qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait c'était quoi la phrase en anglais en fait donc, mmh. euh, pitoyable. Et euh, ouais, l'histoire, il y a même des Roland de d'antivax euh, un peu étrange euh, comme quoi euh, les scientifiques faut pas croire ce qu'ils disent et que euh, je vais te soigner alors euh, donc c'est des zombies hein, on le rappelle enfin des zombies vampires d'ailleurs puisqu'ils ont peur du, de la lumière du jour on ne sait pas pourquoi euh, et on peut les soigner avec des plantes apparemment enfin il y en a un à un moment donné on nous fait une mission où la science son tomber euh, c'est ça on, on va plutôt aller chercher des plantes parce qu'on peut pas faire confiance aux médecins c'est peut-être même eux qui ont inventé le virus et par les temps qui courent, euh, même si là on a changé d'apocalypse en début 2022, mais euh, j'ai trouvé ça un peu, ouais, un peu, un peu ambigu. Donc c'est euh... clairement ça. Hein, surtout que la quête, elle te demande de faire un choix et tout. Enfin, euh, c'est. Mais très orienté comme très, choix. Très, quoi. Très, ouais, ouais, très très étrange. Si tu, si tu vas pas voir la sorcière qui, qui te fait une décoction à base d'ortie là, euh, le mec il meurt de, de je sais pas quoi tu vois. Euh, et par contre, si tu fais confiance, enfin, euh, voilà, si, si tu fais confiance au médecin, le mec il meurt. Si tu fais confiance à la sorcière, euh, c'est bon, tu vas. Euh, enfin bon. Euh, voilà. Après, il ouais. y a l'IA aussi. Euh, vous me dites hein, quand je m'arrête hein, parce que il euh, y a ah, l'IA aussi qui euh, est l'IA <laughs> <assez entérise. rire> euh, complètement pété. Alors c'est con que j'ai totalement ché la la ce soir J'aurais pu vous montrer une vidéo où j'ai coincé, je, franchement, euh, sans exagérer je pense 25 30 et demi dans un couloir enfin dans un escalier pardon un escalier qui, qui fait demi-tour comme ça et où je lance des molotovs et les mecs ils, ils ah je vais le mimer du coup euh, ils courent sur place et puis ils montent ils descendent les escaliers ils montent ils vont dans les flammes et, 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 pff, et OK donc super IA yeah. puis de manière générale même en, en même en espace ouvert euh, tu mets une flèche dans la tête à un gars euh, les autres ils vont réagir ou pas tu sais pas c'est c'est chelou et comme je disais tout à l'heure, le, le lag et tout ça, tu l'as aussi dans, dans les combats. Tu as aussi des fois où tu sélectionnes ton arme euh, dans une roue des armes, elle s'affiche pas tout de suite. Donc c'est hyper cool quand tu es au corps à corps, tu te manges trois coups avant d'avoir ton arme dans les mains. Donc des petits Attends, soucis techniques aussi. Euh... L'intégration euh, vidéo euh, en, en direct. Waouh, <laughs> <Wow>, super. <laughs> Merci. Donc ça, c'est les. <laughs> c c'est les escaliers avec les ennemis dedans et les, et les molotovs que je remontance dessus et ça, ça ne fait strictement rien. Ouais. Euh, merci beaucoup, Estia, pour t'être dévoué, pour nous montrer du gameplay. Ouais, voilà, et après, bon, on a testé rapidement le co-op avec, euh, avec Ruta Baga, ça change, euh, ça change absolument rien à l'expérience en elle-même, c'est les, les mêmes missions, il n'y a pas de mission à faire en particulier en co-op ou quoi que ce soit. Donc limite en fait le jeu est encore plus facile si jamais il y en a qui veulent quand même tenter l'expérience à plusieurs. Et euh, y a, bon du coup ça permet quand même de noter que les animations sont complètement pétées, genre euh, je sais plus si c'était Ruta ou moi qui se mettait un bandage, l'animation était complètement foirée. Euh, voilà je sais pas est-ce qu'on termine sur une note positive je sais même pas ce que je pourrais bah dire ouais, euh... ça serait bien une note positive c'est joli c'est pas spécialement joli parce que c'est vide en fait je... <laughs> alors les, 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 les vidéos euh, qui sont faites in engine c'est à dire que tu sais tu, as pas de cut ni rien sont mm. un peu plus jolies mais tu sens que c'est quand même un peu retravaillé et après, le jeu, je le faisais... Bon, il tourne plutôt pas mal. Enfin, moi, en tout cas, sur ma config qui n'est pas foudre de guerre, ça tournait bien en, en, sur un écran 2K tout à fond. Euh, Là-dessus, bon, euh, voilà. Mais c est, c est, en fait, par rapport aux vidéos qu'on nous avait montrées, c'est vide, en fait. C'est vide où... S'il y, y a pas mal de, de problèmes de load, fin, de textures qui apparaissent euh, très très mal euh, au loin, enfin, tu vois, le, le truc euh, complètement dégueulasse, ça pourrait être popé de, tout d'un coup... Euh, au loin, mais non, le jeu est pas est pas foufou quoi. Et puis le, la deuxième partie du, en gros, le jeu se sépare, on va dire en deux, deux parties, enfin, trois parties. Et la troisième partie c'est c'est que des gratte-ciels euh, à, à grimper et en fait ils se ressemblent tous quoi. Ils, ils ont tous la même, c'est c'est tous les mêmes, juste ils ont changé les tailles. Euh, ils ont un peu tourné dans, dans un sens ou dans l'autre, mais sinon c'est la même façon de, les, de grimper. Les intérieurs c'est les mêmes trucs vides copier coller. C'est fait complètement à l'arrache quoi. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu a été repoussé trois fois. Juste un petit mot de pour... La, euh... si. Je vais faire un petit mot pour, pour la musique. Parce que... Ouais. Euh, <laughs> euh, certains, certains testeurs ont, ont célébré la musique du jeu, mais euh, pour être honnête, Les anciens on même. dirait... Ah, faut pas dévoiler tout, mais euh, euh, ouais, non, la musique, on dirait les musiques qui illustrent euh, les, euh, les vidéos de, de snowboard ou quoi en 4K <laughs> sur YouTube, c'est vraiment ça, et ça, ça donne un côté nettoyable au jeu parce que tu fais ton vieux parcours pourri avec ta, ta musique électro euh, un peu planante euh, feel good euh, c'est euh, c'est ça fait vraiment cheap mais genre c'est bah, franchement j'étais c'est toi qui m'a dit qui m'a sorti le terme que j'oublie tout le temps là les, les, les fps enfin euh, je sais pas si c'est que les fps d'ailleurs mais les, les jeux de, des pays de l'est quoi qui qui ah ouais, veulent faire qui veulent, faire, euh, qui veulent faire comme les grands mais, euh, mais qui n'y arrivent pas et c'est d'autant plus dommage pour euh, Light 2 et je conclurai là-dessus que le premier il était vraiment pas il était pas mauvais quoi enfin, je, la vie, enfin les, les joueurs j'ai l'impression qu'ils ont à peu près tous apprécié le jeu il était il était pas très grand mais la carte était euh, était super jolie la deuxième partie de la carte là dans l'ancienne ville euh, T'avais beaucoup de hauteurs différentes et tout, t'avais plein de choses à faire. La première partie, c'était encore, encore pire, il y avait vraiment plein de trucs à explorer dans tous les sens, etc. C'était pas du tout linéaire et tu te déplaçais vite, ça allait vite, ton grappin allait vite. Et c'est le Dying Le, c'est l'antithèse, quoi. Donc, euh, donc, échec. Et je, je doute que des, des patchs, etc., euh, corrigent vraiment ce, ce sentiment de, de jeu fait à moitié, de lenteur, etc. Bien, 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 merci bien, moi. Euh, FCP pour Je vous en tout ce venin. J'espère que tu te sens mieux. Et donc, pour les fans d'homéopathie, <laughs> ça coûte 60 euros et c'est dispo bon, bah sur PC, sur Steam ou les Peak Game Store. Euh, les jeux qui doivent sortir le mois prochain, enfin ce mois-ci, vu qu'on est déjà au mois de mars. Euh... Alors, le 1er mars est sorti, il est déjà sorti et le test arrivera euh, un jour. C'est Battle Cry of Freedom qui est un. Euh, un FPS slash TPS qui se déroule pendant la guerre de Sécession et qui, offre, qui a la particularité d'offrir des batailles jusqu'à 500 joueurs. Ça y est, tu y as joué un petit oh. peu, j'imagine Tu veux dire quelques ouais. mots dessus euh, bah, Pourquoi pas Spoiler, ne l'achetez pas. Hein. <laughs> euh, voilà, non, euh, 500 joueurs, c'est sur le papier. Hein. Euh, là, déjà, euh... j'ai réussi à atteindre euh, 300, je crois. Mais déjà, il n'y a pas assez de joueurs pour. Euh... Pour remplir ouais, un aussi, à 500 300, joueurs ouais. Ouais. et euh, la partie technique ne permet euh, clairement pas d'atteindre les, les 300 joueurs les 500 joueurs pardon et euh, non après c'est très similaire à ce qui avait été fait sur euh, merde, all fast et euh, bah, c'est clairement c'est all fast version euh, euh, guerre civile américaine euh, honnêtement euh, c'est bugué euh, le corps à corps et à chier euh, mais bon, il y a toujours les toujours des charges à 50 contre une contre une ligne de de, de racistes américains, ça, ça marche toujours, mais mais c'est pas c'est vraiment pas au point. Euh, il y a War of Right, euh, donc on parle pas souvent sur Nofrag, qui est beaucoup plus propre euh, techniquement, beaucoup plus abouti, euh, un poil trop sérieux, mais qui fait la chose beaucoup mieux. Et euh, non, pour l'instant c'est pas encore c'est pas encore ça. Okay. Euh, sur Steam euh, DB euh, le pic euh, pour euh, Battlecry c'est 856 personnes ouais, et cool. ça baisse donc, euh, donc ça va être compliqué hein, pour faire Écoute, des jeu, jeu. 500 joueurs <laughs> ouais. j'ai rejoué un peu hier soir et je suis tombé sur un serveur où il y avait un gars avec le drapeau confédéré et deux gars devant lui euh, qui avaient un skin de noir. Et le gars les faisait avancer en disant « Allez couper, allez couper dans le champ ah !» oui. Donc c'était mmh. une, euh, une magnifique expérience. Ouais, oui, effectivement, que un, ouais. un jeu de niche euh, assez spécial. Il y a ce problème-là, et effectivement, les développeurs ont dû, même, c'est tellement, euh, tellement répandu le racisme, euh, vous vous y couperez pas, clairement, et les, les développeurs sont en train d'essayer de chercher une solution, ils ont déjà communiqué euh, tellement c'est... Euh, tellement c'est euh, toxique infelous. toxique ouais. mais déjà sur tu as aussi une mm -hmm. partie de la communauté qui est dans ce sens-là mais là le fait que ça soit garde sécession que t'aies accès au drapeau confédéré il euh, y a euh, quelques personnes qui se qui se laissent porter euh, dans le par le par le truc et c'est assez spécial à vivre hein. euh, le 8 mars sortira un jeu VR dans l'univers de Warhammer Merci Serre, pardon euh, Battle Sister euh, Estia, c'est toi qui va le tester vu que ouais, t'aimes bien bon. les jeux verts. Alors désolé, il hein, n'y a pas de casque à peindre ou de... <rire> 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 ou de ou de petite maison à décorer, mais euh, tu, tu, tu peux peut-être nous dire quelques mots. Donc ça, sort, ça sortira uniquement sur l'Oculus Store. Ah oui, ah d'accord. Euh, il, bah il me semble, hein. je ne suis pas sûr, hein, mais il me semble. Euh, non, 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 ça sortira ah, sur Steam, puisque le lien que tu as mis, c'est un lien vers Steam. Ah, pardon. ok. Euh, donc, euh, voilà. Bah, je sais pas trop, c'est dans l'hiver euh, 40K. Euh, et franchement, j'ai pas plus d'informations que ça, parce que je ne me souviens plus très bien euh, des news de... qu'on avait fait. Tu soir. nous en parleras le mois prochain. quoi. Ouais. Voilà, bon, c'est un shooter euh, dans l'univers de Warhammer 40k. Voilà. Euh, le 24 wow. mars sortira. J'ai pas vu que ça sortait ce mois-ci, ça. Euh, bah, moi aussi, je sais pas qui c'est qui l'a rajouté. Expédition Zéro, un jeu d'horreur dans une base, euh, base russe abandonnée en Sibérie. Je pense que c'est Saer qui l'a rajouté, donc ouais, il va nous dire quelques mots dessus. Et bien, tu as joué un... Non, non, j'ai ah, joué, pas joué pendant le... le... Il, était... il y avait une ah, démo pendant ah, le démo. Fest. Ah, ah, ok, ok. Euh... Non, j'ai pas eu le... cette chance. C'est euh, pas, pas horrible, hein. C'est pas... pas horrible. Je, je pense que c'est développé par pas beaucoup de personnes. Euh, et ça se voit. Euh, après, franchement, il y a, y, a, y a bien pire. Euh... Donc, ouais... T'es dans... Ouais, en Sibérie, donc... Euh... L amnésique, je sais pas trop quoi. Tu te réveilles, tu veux quitter la zone, mais il y a une espèce de d'entité maléfique qui est là, qui t'en empêche, et t'as quelqu'un qui prend contact avec toi pour t'aider. Donc ça fait beaucoup penser à Somnautica sur le sur le papier. Euh, sauf que après non, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus classique en, en horreur quoi, c'est-à-dire tu t'as une espèce de carte avec euh, Plusieurs cartes que tu peux que tu relis dans un sens enfin que tu que tu peux rejoindre dans un sens ou dans l'autre quoi ce qui fait un espèce de semi monde ouvert et euh, avec des zones où tu vas débloquer Une espèce de métro de où tu vas débloquer euh, tel endroit grâce à tel truc que tu vas trouver à tel endroit etc ça a pas l'air de casser trois pattes un canard après bon euh, à vous si c'est pas trop long c'est ça peut occuper quoi une soirée quoi on va dire ça me rappelle, je sais pas si vous vous souvenez de Cryostasis, vieux jeu ouais. fâché, euh, dans un bateau, euh, avec ce même genre d'ambiance horrifique. Euh, et euh, ouais. et ouais. Moi, dis, on va dire, euh, je sais pas, moi ça me voilà, ça bon, sera sûrement se de au junk. Bon, ouais, c'est pas le... ça, pas dingue, mais bon, on verra. Donc, le 24 mars, mon petit en gros euh, jeu d'horreur euh, indépendant, quoi. Euh, le 25 mars, euh, bah, un trip. Un triple A, je sais pas, mais en tout cas, oui, je pense, ouais. euh, gros jeu, ouais, triple A, vu que c'est euh, ça vient de, 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 de Bethesda, c'est euh, Ghostwire Tokyo. Et euh, franchement, j'ai du mal à comprendre ce que c'est, à part qu'on fait de la chasse aux démons dans Tokyo. Euh, Quelqu'un, ouais, Ruta, tiens, deux... ouais, avec ses mains, euh, donne-nous euh, ouais. quelques. Qu'est-ce que tu en penses Qui bah. qu va s'occuper de le tester Attendez, je regarde. Euh, je regarde. Euh, Ghostwire Tokyo, il est où Oui, il y a beaucoup ça, de monde qui sont intéressés, euh... bah, okay. sauf Rita. Donc, et euh... pas que ça nous intéresse, non. D'accord. Ça okay. si, si, intéressé, FCP. mais euh... ah ok ok. Je suis intéressé, mais je préfère laisser les autres s'occuper du test. Mais euh, je peux vous en parler un petit peu parce que, Bah, oui, euh... parle nous. Euh, du coup, c'est développé par euh, Tango Gameworks. Je crois que c'est ça le nom du studio. Ah, c'est euh, un ça. studio japonais qui a fait euh, The Evil Within 1 et 2. Euh, et euh, c'était des jeux d'horreur, des euh, TPS horrifiques. Euh, et là, ça part en, euh, sur un espèce de truc, effectivement, de chasse aux démons japonais euh, dans Tokyo. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler exactement. On ne sait pas est-ce que ça va être en monde ouvert ou je sais pas quoi. Euh, ça m'étonnerait. Mais euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est effectivement, tu fais des espèces d'incantations de, avec tes mains, puisque es, tu dois être un mage ou je sais pas quoi. Euh, pour faire des sorts pour se débarrasser des démons tu as aussi un arc il me semble qu'on avait vu une, du gameplay où il y avait un arc, ouais, mais un, arc euh... un arc magique ouais voilà magique ouais. Euh, ouais, le, euh... le gameplay euh... fait pitié hein. on dirait ah, tu euh... fais des signes façon Power Rangers avec tes mains euh... après moi je demande à voir euh... ce qui m'emmerde c'est surtout que les gameplays comme d'habitude ils sont enregistrés sur euh, console donc ouais. c'est joué à la manette donc c'est lent euh, comme, un, comme un cul euh... pour autant qu'un cul soit lent et euh... Mais ça a l'air au moins assez original, donc euh, je demande à voir. Je demande à voir. Bah, je, je, pense que, je pense que ce sera un projet un peu, euh, un peu trop bizarre et pas forcément bien réussi, mais euh, mais au moins c'est original, donc on peut pas on peut pas leur, euh, leur enlever ça. Ah, moi, j'avais joué au premier Heavy euh, Within, c'était pas c'était pas dégueulasse. J'ai jamais fait le 2, mais c'était euh, l'ambiance était sympathique. Donc, euh... Le 2 est un gros raté selon moi, mais. Euh... Et euh, c'est pas c'est pas une, pas, une, pas, une pas un jeu développé avant tout sur pour la PS 5 aussi. Hein euh, non, euh, c est, c est, mm, ça a il été. Il sera euh, sur euh, PC, bah, mais y aura, il sera en exclu au début sur PS 5 Ah okay, ok, je ouais, pensais été, que c'était. C'était acheté. Ouais, euh... ouais, ok ouais. d'accord. Ce qui moi ça me refroidissait un peu, mais bon. Du coup non. Non non, il sera sur PC euh, même jour, mais il sera pas sur Xbox par contre. Ok et. Et comme quoi, hein, les trucs bizarres, ça, ça, ça n'arrive jamais seul. Le même jour sortira Tiny Tina Wonderlands, le spin-off de Borderlands euh, dans un univers Heroic Fantasy. Euh, yes! Exactement. Et ça, je crois que ouais. personne n'a dit qu'il voulait le tester en revanche. Non, non. Donc, si, euh, y dire, euh... Il y a le Ouais, peut-être, on verra. Bon, bah, ça... Franchement, bon, c'est du Borderlands, mais avec. Euh... Des dragons et des chevaliers, quoi. Comme ça, c'était pas déjà insupportable, ouais. assez insupportable, Sur comme jeu. jeu Si on arrive à avoir deux clés, je le fais avec toi, l'ours oh, ça va être bien. <laughs> euh, donc euh, <laughs> voilà, donc ça sort le 25 mars aussi, et bon bah on, on en reparlera euh, plus le mois prochain. Euh, pas de date précise, mais normalement ce mois-ci devrait aussi arriver euh, la bêta free-to-play de World War Free, n'est-ce pas, ça Oui, 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 bof. Qui est en bêta privée a... depuis quelques. Quelques, quelques mois maintenant. Mois maintenant. Ouais. Il n'y a, a plus grand-chose de joueurs dessus. À mon avis, ça a bidé encore une fois, mais bon. C'est toujours aussi nul. Euh... Ils ont de l'espoir. Hein. Ouais, ouais, ouais. euh, donc, euh, on en reparlera aussi si ça sort. Et euh, alors, putain, c'est quoi ce truc Project Vref. <laughs> ouais, bon, on, mais... euh, oui, si on a parlé deux fois. Ah oui, j'avais testé. Ah. Ah, oui, regarder... ah, bah, parle nous euh, une... en parce une... que je ah, en ben regarder les démos sur la pastime, je sais pas ce que euh, c'est. Euh, en fait, ils... c'est les mecs qui disent qu'ils veulent revenir au FPS à l'ancienne, et en fait, ils font euh, Call of Duty euh, mode ah, oui, faire euh... Ah oui, oui, oui. Et euh, ils avaient sorti une démo, et la démo c'était uniquement le l'entraînement contre des cibles en bois. Ah <laughs> oui, je me souviens. Oui, une carte vide. Euh... Euh... Ah, non, non, ça ouais, et bon bah il y avait pas grand-chose à dire dessus, mais même si j'avais déjà eu des bugs alors qu'il y, <laughs> y avait quasiment rien, euh, mais ça ça a pas l'air, enfin euh, bon, au moins visuellement ça a l'air un peu près euh, de tenir la route pour un projet indépendant. Après euh, bon, enfin euh, je je, c'est ouais on, on va voir mais je vois pas ce que ça peut vraiment apporter quoi. Ok donc le ouais, renouveau donc, euh... de Call of, super. Ah c'est ça. Voilà, bon bah on reparlera euh, de tout ça le mois prochain. Donc euh, ce mois-ci, Battle Cry of Freedom, euh, Warhammer, Battle Sister Expedition Zero, Ghost Warrior Tokyo, Tiny Tina Wonderlands, World War Free, peut-être, et Project Bref. Peut-être. Euh, merci serre d'avoir rajouté Project Bref. Tu viendras ouais. me voir quand FCP <laughs> aura fini. Ça marche. Euh, et pour conclure cette émission, comme d'habitude, messieurs, à quoi vous jouez Estia, à quoi tu joues en VR en ce moment euh, là j'ai reposé le casque pour l'instant. Je ah. joue un petit peu à Elite Loose quand je joue, ce qui n'est pas très souvent. Donc euh, voilà, Elite Loose euh, grâce à FCP qui a organisé de nouveau euh, une, une, enfin quelque chose avec les arcs, euh, une petite session noob friendly euh, et c'était bien sympa. Euh, c'était il y a deux semaines je plus ou la semaine dernière. Ouais. Ouais. Non, c'était bien. Mm. Voilà, Elite Loose c'est bien. C'est très, très bien. Oui, c'est bien, c'est bien, hein, Let's Lose. FCP, à quoi tu joues en ce moment euh, bah, En dehors de cette, euh, cette soirée à Let's Lose qui était décidément très et qu'on va sûrement aussi euh, encore reproduire, j'ai joué à quelques démos là, pendant le Steam Fest J'ai notamment joué au, je ne me souviens plus du nom, My Favorite Neighbor, avec mon superbe accent. Euh, donc, développé, si je ne m'abuse, Ruta me reprendra par... Euh un frère ou deux frères de mecs de dusk ah oui c'est le truc avec les avec les marionnettes me... ouais. Euh, ouais donc euh, hyper euh, hyper intrigant euh, dans le gameplay pur c'est un peu un doom c'est à dire tu vas tu vas chercher une clé dans une pièce qui va avoir une porte et puis ensuite progresser comme ça de, de clés rouges en porte rouge et de clés bleues en porte bleue en gros euh, par contre ce qui détonne énormément c'est le oui l'univers on s'en doutait avec donc des marionnettes qui ont des voix euh, pitchées vers le haut hyper agaçantes euh, qui parlent beaucoup qui parlent tout le temps et c'est volontaire hein, c'est fait pour te euh, t'agacer donc euh, ça c'est assez marrant à voir si c'est pas trop agaçant, trop agaçant sur euh, le long terme mais euh, du coup moi ça m'a ça, ça, ça a attisé c'est enfin, un jeu d'horreur hein, c'est ça Ouais, ouais, de stress, je dirais parce que ça fait pas vraiment peur mais de ouais, ça ça va, ça va te ça va vouloir te Il y te... En a un autre ah, non mais je confonds il y a une espèce d'autre jeu d'horreur avec une ça une ça me dit une rien. géante bleue. Là comme ça ça me dit ouais. rien. Ouais. Oui, euh... uh, playtime. Euh, ouais, voilà, ouais, c'est ça ou genre c'est épisodique ou je sais pas quoi. Non, c'est ouais, pas la même chose, je confonds avec ça. Et okay. ensuite, j'ai joué à je l'avais jamais fait donc je confesse euh... Stalker euh, Shadow, enfin, j'avais fait aucun stalker, donc j'ai fini le premier stalker qui a, qui a pas trop mal vieilli, je trouve. Enfin, je l'ai fait vanilla, je précise. Au en début, j'ai voulu Tu l'as fait vanilla Ouais, je Bah, en fait, je l'ai, je installé et je me suis dit bon, on me dit, on m'a tellement dit qu'au lancement c'était un truc catastrophique, je vais commencer à regarder des mods. Et en fait, il y avait quand même pas mal de joueurs qui disaient genre ah, avant d'installer un mod. Euh... Fais le vanir, comme ça tu sauras d'où euh, tu pars. Quoi. Et en vrai, je trouve que. Ouais, alors, il y, y, y a quelques problèmes de script, il y a des problèmes d'IA. Euh, et le, le, la gestion du, du poids et tout ça est super relou. Enfin, de la stamina, du poids, etc. C'est hyper mal équilibré. Euh, mais en dehors de ça, euh, et du coup, je l'ai remis dans ce contexte-là, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré. Je trouve que sur l'ambiance, sur euh, même l'histoire, euh, le. Le, 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 les dialogues, etc. Enfin, le, comment c'est comment fait tout ça, comment ça s'agence, etc. Euh, j'ai trouvé ça vraiment super, super cool. Euh, et c'est un des rares jeux où j'ai fait une sauvegarde avant un moment que je sentais assez crucial pour pouvoir reprendre et faire plusieurs fins, etc. Ce que je fais, euh, que je fais assez rarement. Du coup, j'ai fait trois fins différentes, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Donc, euh, ceux qui n'ont euh, jamais fait euh, Stalker, euh, franchement, vous pouvez y aller. Même en Vanilla, si vous n'êtes pas trop demandeur, ça va, ça passe. Et du coup, j'enchaîne sur, euh, sur Clear, Clear Sky. D'accord. Qui a l'air beaucoup plus dur. Et... Mon cher Ruta, à quoi joues-tu euh, bah, Outre Shadow Warrior, j'ai aussi testé des démos. Donc, euh, bah, vous pouvez retrouver d'ailleurs l'article hein, dans lequel on a mis nos, nos impressions. Euh, notamment, j'ai testé Turbo Overkill qui est, euh, qui est un rétro FPS euh, avec une jambe tronçonneuse euh, qui se passe euh, dans un univers cyberpunk et euh, c'est vraiment cool. C'est vrai, nerveux, c'est fun, c'est bon, peut-être un peu simple mais, euh, mais, euh, mais c'est efficace. Euh, c'est gore, visuellement c'est beau. Donc euh, je pense que là, c'est juste la démo, mais je pense que le jeu complet. Euh, devrait être plutôt solide. Il bon, y a d'autres trucs auxquels j'ai joué, mais bon, on va pas forcément en parler. J'ai testé, testé Scat, qui est censé être un FPS Bullet L, donc à moitié shoot Shoot'em Up, mais en fait c'est de la merde, c'est lent voilà. comme pas possible, il y, y a rien à faire. C'est de la merde. Euh, j'ai testé un truc, où ça s'appelle Neon White, c'est un FPS où dans lequel tu joues avec. En fait, c'est un FPS parcours. Donc le but c'est de finir des parcours le plus vite possible, mais dans lequel tu as des armes qui sont sous la forme de cartes. Euh, donc ah, tu as ouais. des cartes ouais. dans ta main, donc tu en as une qui va faire l'effet d'une mitrailleuse par exemple, euh, quand tu fais le clic gauche, mais quand tu fais le clic droit et que tu supprimes ta carte, ça va te faire un effet genre double saut ou je sais pas quoi pendant, euh, euh, pendant un, un saut. Quoi. Donc c'est euh, assez intéressant, mais malheureusement c'est caché sous, euh, sous une espèce d'histoire sous forme de visual novel, euh, c'est les visual novels, c'est les trucs de merde qu'il y a à foison sur Steam, euh, façon manga, avec juste des, euh, des dessins qui discutent entre eux pendant des heures, c'est nul à chier. Donc euh, ça c'est dommage, le concept est cool mais il est caché derrière une couche de dialogue horrible. Et puis, euh, puis j'ai testé aussi euh, Incision, qui est un rétro FPS tout à fait classique, et euh, apparemment euh, il semblerait que la communauté des rétro FPS soit saucée par le jeu, mais je vois pas pourquoi parce que ça apporte que dalle. Et enfin, euh, hors FPS, bien sûr, j'ai joué à Elden Ring. Euh, voilà, j'ai passé quelques temps. Et, et voilà. Sur PC ou sur PS5 Sur PS5. Tu viendras aussi me voir Car, euh, euh, après le ça. Seul seul français à avoir une PS5. <laughs> vrai, ça va Il a acheté à Auchan en Trichamp. <laughs> C'est vrai, tout à fait. Non, il a acheté sur eBay 1500 euros. Comme non, non, euh, tu te souviens pas Moi, je m'en souviens, t'as pas de mémoire FCP. Moi, je ah, me souviens qu'il qu 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 voulait faire la queue en ligne sur Auchan, mais il s'est retrouvé au début de la queue parce que. Mmh. Euh, <rire> Exactement. <rire> Là, je m'en souviens, moi. Euh, et pour terminer, ça, à quoi tu joues Eh ben, j'ai bon, été vacances en vacances et j'étais bah, ouais. bien malade comme un chien la semaine dernière, mais avant d'être malade et avant d'être en vacances, bah, j'ai fait comme euh, FCP j'ai joué à Stalker. Euh, moi, je les ai poncés en long, large, en travers euh, il y a quelques temps maintenant. Donc, euh, j'ai joué à Stalker Anomaly, mais j'ai pas Anomaly de base. Parce que euh, les gens de l'Est, je sais pas si vous savez, mais ils aiment Stalker beaucoup, de tout leur cœur. Et donc, il y a un gars qui a fait un pack de mods de. Je crois que c'est presque 250 mods pour euh, donc Stalker Anomaly, qui est lui-même un mod à l'origine. Et donc, ça transforme, le, euh, ça transforme le jeu de manière assez drastique. Ça rend le truc complètement euh, hardcore. Et donc ça s'appelle euh, Gamma, Stalker Anomaly Gamma. Et euh, c'est euh, bah, vachement bien. Euh, le jeu, euh, avec ses petits ajouts, euh, a vraiment super bien vieilli. Euh, même graphiquement, ça tient la route euh, encore. Euh, euh, tout à fait et euh, vraiment je conseille euh, Stalker Anomaly Gamma parce que euh, c'est euh, du bon. Si vous voulez découvrir Stalker c'est peut-être un peu hardcore. Faites comme FCP d'abord, commencez euh, le, les jeux de base mais euh, une fois que vous aurez fait le, vous avez fait le tour euh, je je conseille. Voilà. D'accord. Merci. Et toi Nounours à quoi t'as ah. joué, euh, joué... joué À quoi j'ai joué Alors j'ai joué à euh, Bondari, là, le truc dans l'espace. Ah oui, c'est je... vrai. Faut... Qui était aussi en... en démo, qui était un peu prolongé. Il faut d'ailleurs que je termine d'écrire la preview pour Naufrag. Où c'était. Euh... C'était bof. C'était vraiment très, 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 très bof. Euh... C'était vraiment du Call off, euh... call -off dans l'espace, mais euh... avec des gros soucis d'équilibrage. C'était. Euh... Enfin, Tu vois rien, c'est hyper frustrant. Tu peux te faire tuer au spawn une fois que l'équipe prend l'avantage. Bref, j'ai pas passé un, un excellent moment. Euh, C'était rigolo, euh, 45 minutes. Euh, j'ai joué à quoi Ah, J'ai joué à un truc qui était. Je me suis dit, ça va être de la merde. Mais je me suis bien amusé. C'était euh, parce qu'il y avait une vidéo de Jack Frag dessus. C'était euh, Battle Bite qui est une sorte de Battlefield ah oui. mais en, en gros pixel, à la enfin en gros pixel non mais à la Roblox et euh, c'était ouais. en démo euh, c'était en démo bêta euh, sur Steam et j'ai joué quelques ouais. heures et franchement c'était euh, je me suis plus amusé dessus que sur Battlefield <laughs> C'était, même s'il ouais, y a le côté bon, bah, gros, gros blocs à la, à, à la Roblox, mais c'était le feeling des armes est cool. Il y a des features comme tu, vois, tu peux traîner les gars pour aller les réanimer des features qu'ils avaient promis pour Battlefield 5, apparemment, qu'ils ont, qu ont aussi jamais fait. Donc j'étais assez euh, surpris parce que le gameplay était vraiment très, très propre. Donc, je serais curieux de savoir ce que ça devient quand il euh, reviendra. Il devrait revenir normalement en bêta euh, à, la fin du... à la fin du mois, il me semble. Donc, franchement, essayez parce que c'est. Voilà, franchement, par rapport à Battlefield 2042, c'était vraiment euh, cool. Bon, après, les maps sont vides, c'est pas, euh, pas très beau, mais rien que pour le gameplay. Détail, ouais, ouais c'était euh, assez sympathique. Il y a de la destruction des bâtiments, vraiment. Euh, euh, système de classe, euh, plein d'armes, c'était assez cool. Et ensuite, j'ai joué à quoi J'ai joué un peu à Squad aussi, parce qu'il y a eu le, le patch, euh, patch qui est sorti, donc j'ai relancé Squad. Voilà, C'est toujours aussi, euh, aussi fun. Euh, voilà. voilà à quoi j'ai joué. J'ai joué un peu en VR avec, euh, avec, un, avec un pote qui s'est acheté un casque, donc il découvre les jeux VR. Donc je fais un peu de, un peu de Onward et de, euh, et de Pavlov. Voilà. Et voilà. Okay. Merci FCP d'avoir demandé, ça me fait plaisir. Et mmh. sur ce, ça marque euh, la fin de cette... Euh, à quand une soirée squad sur Naufrag Il bah, faut venir sur le Discord, il y a plein, il y a plein de gens qui jouent à, à Squad. Voilà. Euh, mais pas forcément sur le Discord, plus par, par Steam. Bref. Euh, voilà, ça marque la fin de cette 20e émission de Noscope. Euh, et puis on mmh. se retrouvera bah, à la fin du mois. Euh, pour le 21e on reviendra sur les sur les sur les sur l'actu du mois de mars et sur les FPS qui sont sortis nombreux euh, à sortir ce mois-ci. Et on euh, a bah de désolé de pour de... là. Le... Ouais. <laughs> ah ouais ouais, ouais je, un... moi j'attends <laughs> ah, j'attends que ça mais je pense que je vais l'acheter sur console pour avoir la full expérience. Mmh. Ça marche. Euh, faut que je trouve une PS5. Merde, faudrait que tu On te récupère. fasses les, les trois premiers quand même pour être sûr de pas oublier, enfin de pas passer à côté de blagues et tout ça, tu vois, mmh. sur le pipi les ou sur le premiers. caca. Plus le, la préquelle aussi. Ouais, ça fait 4 ouais. a, ouais. a quatre ouais, jeux à se faire. Ouais, fou, fou. Euh, non, mais t'inquiète, je vais je taper sur en YouTube. Jours, genre, euh, c'est résumé histoire Borderlands, puis il va bien y avoir une <laughs> vidéo en 10 minutes qui te résume toute l'histoire. Toute c'est un peu comme quand tu regardes une série télé où tu n'as pas, pas regardé les trois dernières saisons depuis je sais pas combien de temps et tu te dis Ah, tu tapes un petit récap sur YouTube pour, pour comprendre tout. Euh, voilà, désolé pour la réalisation ce soir. Hein. C'était euh, pas notre faute, c'était celle de FCP. Je tiens à le préciser. j'en prends l'entière <laughs> responsabilité. <rire> <rire> Lionel Jospin. <Et> voilà, <laughs> je me remis, retire de la rédac. Ce, ce sera beaucoup mieux la, la prochaine fois. On résoudra ces bah problèmes. Ça peut, ces, euh, ces ça problèmes. peut que être mieux là. Mm. Toutes mes excuses. Et bah, et merci ce, quand même. Euh, voilà, Alors, passez une fait. très très bonne soirée. et Puis à bientôt. Bah oui. Des, des, des bisous. bisous. ciao Bonne soirée. え